Que Dieu vous bénisse, Saint des dieux. Nous allons ouvrir nos Bibles et venir directement ici pour croyant que Dieu Tout-Puissant, dans cette saison, dans ce temps que nous vivons, il est en train de glorifier, de manifester et de protéger, de garder tous les saints à travers le monde. Je vais lire dans 2 Corinthiens 5, la Bible dit, car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de mains. Une maison qui n'est pas faite des mains éternelles dans les cieux, car aussi dans cette tente, nous gémissons, désirant avec ardent d'avoir revêtu notre domicile qui est au ciel. Si toutefois, même en état vêtu, nous ne sommes pas trouvés nus, car ainsi, nous qui sommes dans la tente, nous gémissons état chargé, non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus en fait que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Nous avons donc toujours confiance. Et nous savons qu'étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Dieu bénisse la lecture de sa parole et qui nous têtes en murmurant ses chants. Rocher fondu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang. Sortis donc, faire bien. Être double, remède. Sauver et me rendre pur. Bien-aimé Père Céleste, Jésus-Christ est ton nom. Ce jour-là au calvaire, Seigneur, tu mouris pour nous. Pendant cette tâche de l'Église, Seigneur notre Dieu, ton sang a été aspergé pour garder, protéger ton épouse, Père. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour vivifier cette sémence dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi les rochers des âges. Toi celui-là qui était avec Moïse, avec Enoch, tout au long de l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Tu es un Dieu que nous adorons, que nous magnifions. Parce que sans toi nous ne pouvons rien, Seigneur. Laisse que le message de ce soir soit une bénédiction pour ton épouse, Seigneur. Et celui qui écoutera ce message, notre Dieu, soit fortifié, soit édifié, Seigneur. Qu'il puisse savoir que je dois abandonner tout ce qui est sur cette terre et me confier à Jésus-Christ la parole. Reçois la louange, Seigneur, la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions pour ta gloire immortelle. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Nous avons écouté beaucoup de messages du prophète William Harold Branham ici dans cette église. Frère Branham n'a jamais changé sa doctrine. Parce que Dieu l'a envoyé avec un message qui est un message vivant, puissant pour restaurer l'homme. Nous avons écouté ce message ici. Pourquoi les gens sont-ils ballottés
L'homme est ballotté parce que il n'a pas quelque chose de surnaturel dans son âme. Il peut crier, sauter, recevoir même le baptême du Saint-Esprit dans son esprit et aller en enfer. Mais pour l'épouse, c'est ce germe de vie qui est au-dedans de lui, qui est vivifié par le glorieux, merveilleux Saint-Esprit jusqu'à ce que la stature de l'homme parfait soit formée dans sa vie. Épreuve après épreuve, test après test. Et nous avons écouté aussi ce glorieux message, le Messie. C'est la même chose qu'il nous a prêché. Et dimanche passé, nous avons écouté le sceau de Pâques. C'est la même chose. Frère Branham prêchant le message de la divinité de Jésus-Christ, il disait, la divinité n'est pas au ciel, la divinité est en vous. Et c'est une croissance de gloire en gloire jusqu'à ce que l'homme atteigne la statue de l'homme parfait. Et c'est ce que nous croyons. C'est ce que je crois avec tout mon cœur. Et c'est ce que nous prêchons année après année. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu surnaturel, celui-là qui nous a tant aimé. Dans ce message, l'union invisible de l'épouse de Christ, Malachi 4 dit, paragraphe 307, c'est mon message pour vous, Église. Vous qui formez une union spirituelle par la parole, vous qui êtes mort à ce vieux mari, cette nature pécheresse, la boisson, l'impudicité, l'adultère, l'ivrogne, l'ivrognerie, toutes ces puissances démoniaques, l'homme est mort et vous êtes né de nouveau. N'essayez pas de le déterrer. N'essayez pas de retourner en arrière. N'essayez pas, peu importe les Jézabel qui courent, peu importe les hommes, des femmes qui sont à moitié nus. N'essayez pas de déterrer cela. S'il est mort, il est mort. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui avait été prédestiné à être en vous, c'est parole sur parole, sur parole, sur parole, sur parole, jusqu'à parvenir à la statue parfaite de Christ, c'est vrai, pour qu'il puisse venir chercher son épouse. Amen. Qu'est-ce que l'épouse? C'est ce germe de vie. Ce n'est pas ce corps, ni cet esprit. C'est ce germe de vie qui est l'épouse. Parole après parole, parole après parole. Parce que Paul dit, si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons un qui nous attend. Et au-dedans de nous, dans le monde spirituel, amen, c'est parole après parole, parole après parole, pour former l'image de Dieu en vous. C'est le but de ce glorieux message. C'est le but que Dieu a envoyé Malachi 4. C'est le but que nous croyons ce glorieux message. Amen. Qu'est-ce que l'épouse? C'est ce germe de vie. Ce n'est pas vous, mais c'est ce germe, sémence qui est en vous. Bénissons le nom du Seigneur. C'est cela l'épouse. Vous êtes le corps qui a été prédestiné à recevoir parce que vous avez toujours été. Béni soit son Saint-Nom. Et ce soir, nous croyons qu'en écoutant ce message de ce soir, quelqu'un sera béni. C'est une continuation. Chaque fois que tu écouteras les bandes de Malachi 4, si tu es tellement spirituel, tu vois qu'il parle de la même chose tout le temps, tous les temps. Amen. C'est cet homme intérieur qui doit être formé à l'image de Dieu. C'est ce qu'il disait dans la prédication, unis sous une seule tête. Aujourd'hui, les gens cherchent le leadership pour être sous le leadership d'un homme, d'un prédicateur ou bien de quoi que ce soit. Mais l'épouse est sous le leadership du Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit vient dans le cœur de l'homme pour vivifier la parole de Dieu de gloire en gloire, de puissance en puissance, jusqu'à ce que l'homme soit formé à l'image parole. Que Dieu soit béni. Et le vendredi, vous allez écouter encore un chef-d'œuvre. Et la semaine prochaine,
Nous allons retourner au Ghana. Amen. Nous allons écouter toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les 6 messages qui ont été prêchés au Ghana 2019, qui sera une grande bénédiction pour vous. Amen. Ces temps-ci que nous voyons aujourd'hui sur la face de la terre, tout ce qui se passe, permet aujourd'hui à l'épouse d'écouter message après message. Amen. Et persévérer dans la prière et garder la foi. Parce que la foi, avec la foi, tu peux détruire n'importe quelle puissance tout autour de toi. Parce que la gloire de Dieu ne quittera jamais cette épouse. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse richement. Nous vous aimons et nous croyons que sa grâce est dans vos vies. Et nous croyons que l'ange du Seigneur ne vous quittera pas. Parce que c'est les prédestinés seuls qui ont des anges. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son Saint-Nom. Et que son Seigneur soit glorifié. Et ce soir, nous allons aller dans la bande, les choses qui doivent être. Et si vous vous écoutez spirituellement par là, vous allez voir que c'est une continuation de tous les messages que nous écoutons ici dans cette église année après année. Et amen. Parce que c'est là que nous puissons. C'est notre source. On n'a pas autre message à prêcher. On n'a pas autre message à croire. Si ce n'est que ce glorieux message de cette sauce étonnée. Amen. Et c'est là que nous puissons. C'est là que nous nous nourrissons. Et les aigles de Dieu se nourrissent de la parole de Dieu révélée à ces temps de la fin. Et rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour le Seigneur. Alors directement dans la bande, les choses qui doivent être. It's a lot of the scripture here, so God, through the Holy Spirit, reveals his word by manifesting. Dieu par le Saint-Esprit révèle sa parole en la manifestant, en la confirmant lui-même, en montrant que c'est sa parole qui s'accomplit à l'époque pour laquelle elle est promise. Jésus l'a dit, il a dit, si vous ne pouvez me croire, croyez aux œuvres que je fais, parce qu'elles témoignent de qui il était. S'il y avait quelqu'un qui connaissait les Écritures, il est venu d'une façon si bizarre, étrange, que les gens n'ont pas voulu croire en lui parce que, étant un homme, il se faisait Dieu. Il était Dieu sous une forme. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et personne ne peut faire ses œuvres si Dieu n'est avec lui. Comme nous savons que Nicodème a dit que les gens du Sanhédrin croyaient. Nous savons que cette parole, s'ils avaient reconnu la parole, il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu, parce que Moïse a écrit à mon sujet. S'ils avaient fait des recherches dans les Écritures pour voir ce qu'il était prévu que le Messie fasse, ils l'auraient reconnu au moyen de la confirmation, ils auraient reconnu que Dieu, à travers Christ, réconciliait le monde avec lui-même et qu'il accomplissait tout ce qui était promis à propos du Messie, tout ce qu'il devait faire. Jésus a rendu témoignage à cette parole. Il a rendu cette parole vivante pour cette époque-là. Et je crois que c'est la même chose aujourd'hui. Dieu rend témoignage de sa parole en confirmant ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, nous savons qu'aujourd'hui est le jour du salut, où Dieu appelle l'homme à sortir du monde d'une vie de péché pour vivre une vie de service. Et au jour où Dieu a répandu son esprit d'en haut, de grands signes et prodiges doivent accompagner le ministère de ce jour. Quand la pluie de la première et de la dernière saison tombent ensemble, et nous savons qu'il doit y avoir de grands signes et prodiges et que ceci est rejeté par beaucoup de dénominations. Mais je suis très reconnaissant pour ces portes ouvertes par lesquelles j'ai dû passer et pour l'inspiration que cela a donnée à des jeunes hommes comme votre pasteur. Alors que je deviens vieux, je sais que mes jours sont comptés. Et de savoir maintenant que ces jeunes hommes peuvent prendre ce message et continuer à la porter jusqu'à la venue du Seigneur s'il ne vient pas dans ma génération. Mais j'espère le voir. Je l'attends chaque jour. Je veille, je me tiens prêt pour ce moment. Maintenant, parlons à l'auteur avant de lire son livre en courbant la tête. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants d'être vivants ce soir, d'être revenus dans cette grande ville ici, là, dans ces montagnes, en voyant la neige sur les hauteurs, les orangers en fleurs. Quel monde magnifique tu nous as donné pour y vivre. Et combien nous voyons que l'homme a détérioré et comment il s'est comporté dans ce monde. Nous en avons honte, Père. Nous sommes ici ce soir pour essayer d'apporter nos efforts, essayant de faire que les hommes voient cette grande chose que Dieu a faite et savoir qu'il y a quelque chose de plus grand de l'autre côté. Que nous puissions regarder à cela ce soir
alors que nous prenons ta parole pour la lire. Nous pouvons la lire, Père, mais c'est le Saint-Esprit qui nous la révèle par révélation, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous qui avez l'habitude de prendre des notes et de lire les Écritures avec le ministre, comme on le fait habituellement, il y a des années, je n'avais pas besoin de noter les références des passages bibliques, mais j'ai pris un peu d'âge depuis. Je viens de passer 25 ans, il n'y a pas longtemps. Il y a 25 ans. Ainsi, ça rend la chose un peu difficile. Mais je m'essaie de tenir ferme avec tout ce que je sais dans sa parole jusqu'à ce qu'il me rappelle à lui. Prenons Saint Jean, chapitre 14, une écriture familière que nous allons lire ce soir, pour en tirer un contexte, si Dieu le veut. Presque tous le connaissent, il semble que bien souvent on l'utilise pour des services funéraires. Si jamais il y a eu un temps où je voudrais prêcher un service funéraire, ce serait pour ce monde. Qu'il meure et qu'il ressuscite. Saint Jean 14, 1 à 7. Je crois que je l'ai noté ici. Que votre cœur ne se trouble pas. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Et je vous recevrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je vais, vous le savez et vous en connaissez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons nous y référer encore. Alors que nous avançons, une petite leçon ici pour l'Assemblée. Hier soir, j'étais à Yuma, dans l'Arizona, là où c'est ma demeure maintenant. La dernière fois que j'étais venu, j'habitais à Jeffersonville, en Indiana. Et maintenant, j'habite en Arizona par une vision, où j'ai été envoyé il y a quelques années. Et c'est là que nous avons notre résidence. Je n'ai pas d'église là. Frère Green, notre frère qui est ici avec nous, a établi un tabernacle, l'une des assemblées de Dieu, là. Une église là en ville. Elles ont fusionné, il me semble qu'ils sont tous allés avec frère Brock et frère Gilmore. Et ils ont laissé cette église inoccupée et frère Perry Green, du Texas, qui est un de nos associés, est venu s'installer et reprendre l'église. Nous sommes heureux de savoir que frère Green a rouvert cette salle qui était fermée. Et hier soir, à Yuma, chez les hommes d'affaires du plein évangile, j'ai parlé du sujet de l'enlèvement. Alors, c'est peut-être un sujet étrange, là, dans un banquet, mais la plupart des participants étaient chrétiens, et c'est le cas lors de ces campagnes. Dans une assemblée, je pourrais demander combien parmi eux sont chrétiens. Probablement que toutes les mains se lèveraient, vous êtes chrétiens. Donc, puisque nous sommes chrétiens, je pense que nous devrions être notifié un peu à l'avance. Il ne faut pas que nous allions à l'aveuglette ou en devinant, nous sommes avertis de notre destinée à l'avance. Et je voudrais parler de ça ce soir. Et mon titre sera « Les choses qui doivent être, qui doivent arriver ». Et hier soir, nous avons parlé de l'enlèvement. Ainsi ce soir, je vais parler de ce sujet pour le relier avec le message d'hier soir. Maintenant, il y aura un enlèvement, nous le savons. C'est dans le futur. Jésus ici, il parle au sujet de... Il est parti nous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble pas. Il parlait à des Juifs. Maintenant, il disait, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Comme vous avez cru en Dieu, croyez en moi, parce que je suis le Fils de Dieu. Vous voyez? Autrement dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père demeure en moi, et ce que vous voyez faire, ce que je fais, ce n'est pas moi. C'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'était si facile pour ces Juifs à qui on avait enseigné depuis des générations de croire qu'il existe un grand Dieu surnaturel, mais de penser que ce Dieu était descendu et qu'il se manifestait dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Dieu
tabernaclant dans un corps de chair, c'était un peu trop pour eux, pour leur entendement. Mais il leur a dit, « Maintenant, comme vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. » La vie de Jésus allait bientôt prendre fin ici sur la terre. Il avait montré aux gens et leur avait prouvé qu'il était Jéhovah manifesté dans la chair au moyen de grands prodiges, miracles et références bibliques qu'il a données au sujet de lui-même. Et il a prouvé qu'il était Dieu manifesté. Il a dit, « Quand vous verrez arriver la fin de ma vie, c'est dans un certain but qu'elle se terminera. Je m'en vais pour vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Par conséquent, Jésus est en train de dire à ses disciples que cette vie ne s'arrête pas avec la mort. Puisque nous avons dit que c'est un passage utilisé pour les funérailles, la mort est là devant nous, et nous ne savons pas, il y a peut-être des gens dans ce bâtiment qui ne sortiront pas d'ici vivants quant à cette vie physique. Voilà à quel point elle est incertaine. D'ici 5 minutes, il se peut que des jeunes gens pleins de santé dans le bâtiment soient réduits à des cadavres d'ici 5 minutes. C'est vrai. Et il se peut que d'ici 5 minutes, nous soyons tous dans la gloire. Nous ne savons simplement pas. C'est entre les mains de Dieu. Jésus a dit qu'il ne savait pas lui-même quand viendrait ce moment, mais que c'était dans les mains du Père, de lui seul. Mais il leur disait qu'après la mort, il y a la vie, parce que je vais vous préparer une place pour les recevoir. Ça montre, c'est à eux qu'il parlait, qu'il y a une vie après que cette vie prenne fin. Quelle consolation se devrait nous donner de savoir qu'une fois que cette vie est terminée, il y a une vie dans laquelle nous entrerons. Au fur et à mesure que vous avancez en âge, c'est de plus en plus une réalité pour vous. Comme vous voyez les jours de votre vie arriver à son terme, alors on commence. Vous commencez à vous apprêter pour cet événement grandiose. Maintenant, c'est cette même vie qui se poursuit dans un autre monde, un autre endroit. Votre naissance ici était pré-planifiée. Je pense que vous croyez cela, chacun de vous, que notre naissance était pré-planifiée. Saviez-vous que votre existence ici ne vient pas simplement par un mythe ou une pensée? Tout a été pré-planifié par Dieu avant la fondation du monde, que vous soyez ici. Le Dieu infini, pour être infini, vous devez connaître chaque puce qu'il y aurait sur la terre, chaque fois qu'elle clignerait des yeux. C'est ça, être infini. Voyez, nos petits esprits ne peuvent pas concevoir ce que ça veut dire, l'infini, le Dieu infini. Il connaissait toutes choses. Par conséquent, il n'y a rien qui soit imprévu. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons où nous vivons. Nous connaissons l'heure dans laquelle nous vivons. Nous savons ce qu'il y a devant nous. Nous voyons ce qui est passé. Et le livre de Dieu est la révélation de Jésus-Christ. Ses œuvres tout au long des âges passés jusqu'au livre de l'Apocalypse, et puis ses promesses qui doivent encore se réaliser. Toutes ses promesses sont véridiques. Dieu ne peut pas prononcer une parole sans qu'elle se confirme. Chaque parole qu'il prononce doit s'accomplir. Avant la fondation du monde, il y a des gens qui s'embrouillent dans la Genèse quand ils disent que Dieu se répète. Non, c'est vous qui comprenez mal, c'est tout. Voyez, Dieu au commencement, il a dit, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait, le monde n'était que ténèbres et chaos. Même quand il a dit que la lumière soit, il s'est peut-être passé des centaines d'années avant que la lumière apparaisse. Mais une fois qu'il l'avait parlé, ça devait s'accomplir. Ça doit être ainsi. Et il a prononcé sa parole. Ses semences étaient sous les eaux. Quand il a asséché la terre, à ce moment-là, les semences ont germé. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Et il a dit par les prophètes, j'en ai parlé hier soir, prenons Isaïe, il a dit, une vierge concevra. Qui aurait pensé qu'un homme bien considéré ferait une telle déclaration? Une vierge concevra. Un prophète, c'est un réflecteur de Dieu. Il est fait de telle manière qu'il ne peut pas dire ses propres paroles. Il faut que ce soit les paroles de Dieu qu'il prononce.
Il est comme un réflecteur. Et il est la bouche de Dieu. Ainsi donc, il a dit, une vierge concevra, probablement qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais Dieu l'avait dit à travers lui, parce qu'il a promis qu'il ne ferait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et quand il a dit ça, c'était 800 ans avant que ça arrive. Mais ça devait s'accomplir. Finalement, ces paroles de Dieu se sont ancrées dans le sein d'une vierge et elle a conçu et enfanté Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Son nom sera appelé Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix, Père éternel. Il fallait que ce soit ainsi parce que Dieu l'avait parlé par la bouche de son prophète. Et toutes les paroles de Dieu doivent s'accomplir. Ainsi, nous savons que Jésus est allé préparer une place pour recevoir un peuple auprès de lui. Quant à savoir qui est ce peuple, j'espère que nous en faisons partie ce soir. Si ce n'est pas le cas, mon ami, Dieu a frayé une voie, une condition pour que vous puissiez être inclus si vous le voulez. Sur base de libre arbitre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais remarquez, dans ce monde à venir, il y a un monde à venir, c'est tout comme votre naissance ici, comme je le disais. Vous avez été préparé, Dieu savait que vous seriez là. Et maintenant, vous savez, même les choses que vos parents ont faites, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas puni de génération en génération, mais c'est bien le cas. Dans le livre des Hébreux, je crois, au chapitre 7, il est parlé, Paul, là, je crois que c'est lui, il parlait d'un grand événement qui a eu lieu avec Abraham. Il a payé la dîme à Melchisédek en revenant de la défaite des rois. Et il est dit que Lévi était dans les reins d'Abraham quand il a rencontré Melchisédek en revenant du massacre des rois, et il a imputé à Lévi le fait d'avoir payé la dîme aussi alors qu'il était dans les reins d'Abraham, son arrière-arrière-grand-père. Et il punit les péchés des gens sur leurs enfants et de génération en génération tant qu'ils n'observent pas sa parole. Vous voyez? Vous étiez tous pré-planifiés par Dieu. Rien n'arrive par hasard. Il connaît tout. Tout a été pré-planifié, programmé à l'avance depuis des générations, afin que vous soyez ici ce soir. Vous saviez ça? Pensez simplement. De savoir qu'un jour, vous, à une certaine époque, vous étiez dans votre père, dans les gènes de votre père. Maintenant, à cette époque, il ne vous connaissait pas non plus. Vous ne le connaissiez pas à cette époque. Mais vous voyez, ensuite, vous avez été mis dans le terrain fertile, dans le sein de votre mère, par le mariage légitime, un saint mariage, et puis vous êtes devenu une personne exprimée à l'image de votre père. Et là, il y a une communion entre vous. La seule manière d'être un fils ou une fille de Dieu, parce que vous deviez avoir la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est la vie de Dieu. Une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Donc, pour être un fils de Dieu, il faut que vous ayez été en lui depuis toujours. Le gène de votre vie spirituelle ce soir, était en Dieu le Père, avant même qu'il y ait une molécule. Alléluia. Et vous n'êtes rien d'autre que la manifestation du gène de vie qui était en Dieu, en tant que fils de Dieu. Et maintenant, vous êtes exprimé, une fois que sa parole est venue en vous pour éclairer cet âge, la lumière de cet âge, vous exprimez Dieu, là, dans la vie, en vous, parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Vous saisissez ce que je veux dire, voyez? Vous êtes maintenant, vous êtes dans cette salle ce soir, parce que votre devoir est d'exprimer Dieu pour cette nation, pour ce peuple, pour ce quartier où vous êtes associé, où que vous soyez. Dieu savait que vous seriez là, parce que vous devez être un de ses gènes ou de ses attributs. Vous deviez l'être. Si vous avez la vie éternelle, alors elle a toujours été la vie éternelle. Et Dieu, avant qu'il y ait la fondation du monde, savait que vous seriez ici, et quand la parole, ou plutôt l'eau, le lavage de l'eau de la parole, est tombée sur vous, vous avez été exprimé en tant qu'être, et maintenant vous avez communion avec votre Père, tant que comme vous avez avec votre Père terrestre. Vous êtes citoyens, non pas citoyens, mais vous êtes des enfants, des fils et des filles du Dieu vivant. Si la vie éternelle demeure en vous,
Or, si c'était le cas, Jésus était la plénitude de Dieu manifesté. Il était la plénitude de Dieu corporellement. Par conséquent, quand il est venu sur la terre et qu'il a été manifesté dans la chair, vous étiez alors en lui parce qu'il était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habité parmi nous. La parole a été faite chair. Par conséquent, vous avez marché avec lui. Vous étiez en lui lorsqu'il était sur la terre. Vous avez souffert avec lui. Vous êtes mort avec lui. Vous avez été enseveli avec lui. Et maintenant, vous êtes ressuscité avec lui. Et vous êtes des attributs manifestés de Dieu assis dans les lieux célestes, déjà ressuscités, ressuscités à une vie nouvelle et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, ça signifie tellement. C'est tellement important pour nous de nous voir placés positionnellement en Jésus-Christ. Maintenant, si nous sommes ces attributs de Dieu, nous ne pouvons pas vivre par des credos. Nous ne pouvons pas vivre par un système dénominationnel. Nous devons vivre par la parole, parce que l'épouse est une partie de l'époux, tout comme une femme est une partie de son mari. Par conséquent, nous devons être cette épouse-parole. Et quelle est cette épouse-parole? La manifestation de cette heure. L'épouse, pas un credo ou une dénomination, mais un article vivant de Dieu, un attribut vivant de Dieu qui montre au monde les attributs de Dieu sous forme de l'épouse qui doit être manifestée en cette heure dans laquelle nous vivons. Martin Luther ne pouvait pas exprimer les attributs que nous exprimons. Parce que c'était le commencement, la résurrection, comme le grain de blé qui était tombé en terre. Maintenant, mentionnons ceci, vous avez probablement lu ce livre, cet Allemand qui se moquait de moi en disant que j'étais le plus fanatique des fanatiques. Il était absolument opposé à tout ce qui est Dieu, et même il se moquait carrément de Dieu. Il disait, un Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait sortir son peuple, serait resté les bras croisés tout au long des âges des ténèbres, à regarder les gens souffrir et mourir, les petits-enfants dévorés par le lion. Voyez. Tout le programme, toute l'Église est bâtie sur la révélation divine. Jésus a dit dans Saint Matthieu, au chapitre 16, « La chair et le sang ne t'ont pas révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. » Qu'était-ce la révélation de qui il était? Et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La révélation de Jésus-Christ, en cette heure-ci, non pas ce qu'il était à une autre époque, mais ce qu'il est maintenant. La Bible nous dit qu'elle grandit jusqu'à sa pleine stature de l'épouse. Donc, si le grain de blé de Christ a dû tomber en terre, l'épouse a dû tomber en terre pendant l'âge des ténèbres. Tout grain qui tombe en terre doit mourir, sans quoi il ne peut pas se reproduire. Et la grande Église qu'il a établie au jour de la Pentecôte en envoyant le Saint-Esprit a dû souffrir le martyre et descendre dans la poussière, tomber en terre pendant les âges sombres, pour réapparaître à nouveau dans l'âge de Luther et continuer à grandir jusqu'à la pleine stature de l'épouse de Jésus-Christ en ce dernier jour. Ainsi donc, l'épouse viendra dans l'enlèvement et tout a été pré-planifié d'avance par Dieu. Tout a été prévu depuis le commencement. Il connaissait chaque homme, chaque endroit, chaque personne. Il savait, tout est pré-planifié. Dieu savait que ce serait ici. Et quand il l'a fait de cette manière, pour qu'au moment où nous arrivons là, il est allé nous préparer une place et quand nous arriverons là, tout sera préparé. Comme ce soir, tout est préparé, en cette heure. Sa grande préscience lui dit toutes ces choses. Par préscience, il est omniprésent parce qu'il est omniscient, omniscient parce qu'il est omniprésent. Donc, par sa préscience, et il ne peut pas être juste comme le vent au-dessus de la terre parce qu'il est un être. Il n'est pas un mythe, il est un être, il a une demeure, il demeure même dans une maison. Il demeure dans un lieu qu'on appelle le ciel. Et par conséquent, puisqu'il est omniprésent, puisqu'il est omniscient, il sait toutes choses, alors il est omniprésent parce qu'il sait toutes choses. Vous avez grandi depuis votre naissance, quand vous êtes né et que vous êtes entré dans ce monde. Dieu savait que vous alliez être ici sur cette terre et vous avez grandi de la naissance à la maturité, des choses qui vous semblaient tellement étranges. Quand vous étiez une jeune femme, un jeune garçon, quand vous étiez enfant, vous semble maintenant tout à fait normal. Vous ne pouviez pas les comprendre en étant enfant. Mais maintenant que vous êtes devenu adulte, vous commencez à comprendre
que tout était placé comme il faut. Et maintenant, ça signifie quelque chose pour vous. C'est pareil pour votre naissance spirituelle. Vous faites des choses que vous ne comprenez pas quand vous êtes des bébés. Au moment où vous avancez à l'autel pour donner votre vie à Christ, vous faites des choses étranges. Vous vous demandez pourquoi vous le faites. Mais au bout d'un moment, vous mûrissez. À ce moment-là, en tant que chrétien mûr, vous le comprenez. Voyez, il y a quelque chose qui se met en marche. Et alors, vous voyez pourquoi il a fallu. Votre naissance naturelle est un type de votre naissance spirituelle. Combien c'était approprié pour vous dans cette vie, au fur et à mesure que vous avez grandi, tout se plaçait comme il faut, parce que vous étiez fait pour cela. C'est bizarre. Ce soir-là, vous êtes entré en titubant dans une mission, une réunion sous tente ou une assemblée, et le prédicateur a parlé d'un certain sujet, et vous êtes là, vous êtes tombé à l'autel. Dieu savait cela avant la fondation du monde. Cela vous semblait étrange quand vous l'avez fait, mais maintenant vous le comprenez. Vous savez ce qui est arrivé. C'est tout à fait approprié pour vous dans cette vie, et cela le sera aussi dans la vie à venir. Ce monde-ci et sa vie semblent avancer au fur et à mesure que vous mûrissez et tout semble progresser. Je ne crois pas qu'une personne soit ici par hasard. Pensez simplement. Quand vous êtes venu au monde, tout devait être préparé à l'avance. Pour vous, je ne peux guère comprendre que nous puissions penser qu'un Dieu qui a pu préparer toute cette bonne chose pour nous ne puisse pas, que nous ne puissions pas avoir confiance en lui, puisqu'il nous a conduits à travers le chaos dans lequel nous sommes maintenant, qu'il nous a préparé les bonnes choses de la vie ici. Combien plus pouvons-nous lui faire confiance qu'il prépare les choses à venir, les choses éternelles? C'est vraiment étrange, je dois le dire. Je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là, de croire que c'était il y a un siècle ou deux. Il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel et qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là sur les nuages pour jouer de la harpe. Bon, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelle le ciel. Si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant, vous voyez. Mais ce n'est pas un endroit comme ça. Il ne s'agit pas du tout de jouer de la harpe. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole vienne à l'existence, l'ouverture des sept sceaux qui nous étaient promis pour cet assis. Maintenant donc, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel, tout aussi réel que cet endroit-ci. Car c'est dans cet endroit-ci que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Et je crois que le ciel est un endroit aussi réel que celui-ci, et non un endroit où on passerait l'éternité juché sur un nuage. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre harpe, mais nous allons à un endroit réel. Et nous ferons des choses réelles, où nous allons vivre. Nous allons travailler, nous allons nous réjouir, nous allons vivre. C'est vers une vie que nous allons, une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient et se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché, nous sommes en route pour y retourner, c'est vrai. Le premier Adam nous en a fait sortir par le péché. Le second Adam nous y a ramenés par la justice. Il nous a justifiés et il nous ramène. Vous qui prenez les bandes maintenant au sujet du message de la justification, je voudrais que vous le preniez et vous recevez bien les bandes, n'est-ce pas, pour saisir cela? Regardez vos parents terrestres, avant d'arriver ici, avant de vous voir arriver, ils ont préparé votre venue. Pensez-y. Vos parents terrestres et les parents terrestres ne sont qu'un type de notre parent céleste. Si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus votre Père céleste vous donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants? Ce sont les paroles de Jésus. Voyez, ils ont préparé votre venue, ils ont fait un petit berceau, ils ont pris des petites bottines, des petits vêtements et tout. Ils ont tout préparé pour votre arrivée. Tout préparé avant même que vous veniez au monde. Jésus est allé préparer notre venue là-bas. Maintenant, remarquez, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mon intention n'est pas d'ajouter à la parole ou de retrancher quelque chose parce que nous ne devons pas faire cela. Mais, sans ajouter, mais pour donner un point, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs sortes de demeures.
Je ne crois pas que lorsque nous arriverons au ciel, nous serons que tout le monde sera pareil. Je ne crois pas que nous serons tous blonds ou bruns ou petits ou grands ou des géants. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Le monde prouve cela. Il a fait des grandes montagnes et des petites montagnes. Il a fait des plaines. Il a fait des déserts. Il a fait différentes choses parce qu'il l'a fait comme il le désire. Et il a fait les saisons, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Il a fait les saisons. Ça montre qu'il est un Dieu de variété. Il vous avait fait. Il vous a fait dans une variété. Certains hommes sont fanfarons et d'autres dogmatiques et d'autres sont gentils. Et il y a toutes sortes de gens. Et dans son royaume, vous voyez, regardez Saint-Pierre, jugez-le par rapport à André. Vous voyez, André, c'est le combattant de la prière, il passait tout son temps à genoux, et l'apôtre Pierre était un de ces brandons enflammés qui prêchait, et ainsi de suite. Et Paul, lui, était plutôt du genre érudit, ou plutôt comme un prophète, ou quelque chose comme ça. Il prenait du recul, vous voyez. Et Moïse a écrit les quatre premiers livres de l'Ancien, c'est lui qui a écrit l'Ancien Testament. Le reste, c'était les lois, les rois et les psaumes, et ainsi de suite, ce qui a été écrit au sujet des prophètes. Mais Moïse a écrit les lois, les quatre premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome. Et Paul, lui, a écrit le Nouveau Testament. C'est vrai. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit les événements qui s'étaient passés. Mais Paul a fait la part entre la loi et la grâce et a mis ces choses à leur place. Il était l'écrivain du Nouveau Testament. Il nous a donné les écrits du Nouveau Testament en mettant en ordre la parole de Dieu. Maintenant, remarquez, beaucoup de demeures, beaucoup de sortes de demeures, comme il y a beaucoup de sortes de collines, de rivières, de sources, de lacs, ils étaient déjà là quand vous êtes arrivés, parce que la bonté de votre Père Céleste les a placés là. C'est qu'il y a des hommes qui aiment la montagne, il y a des gens qui aiment l'eau, il y en a qui aiment le désert. Voyez, votre venue, il connaissait votre nature, ce que vous alliez être. Par conséquent, il a fait les choses de façon à ce que vous puissiez les apprécier. Oh, je trouve que c'est un merveilleux Père pour avoir fait les choses ainsi. Je suis heureux qu'il ait fait des montagnes. J'aime bien les montagnes. J'aime ça. Il y en a d'autres qui disent, je ne supporte pas du tout ceci, là. C'est là qu'il doit avoir vidé sa bétonnière. Il l'a vidé pour que je puisse en profiter. Vous direz donc, et moi j'aime bien les plaines où on a une vue très étendue. Eh bien voilà, deux natures différentes. Nous sommes tous les deux chrétiens. Mais le Père savait que vous seriez ici. Il a tout préparé pour vous avant que vous veniez ici. Amen. Lors de votre première venue ici, il avait déjà tout préparé quand vous êtes arrivé. N'est-ce pas merveilleux de penser à tout ce qu'il a fait? Maintenant, souvenez-vous que ces choses ne sont que des dons temporels, des types. Nous savons que Moïse, en construisant le tabernacle dans le désert, en le préparant, il a dit qu'il a fait toutes ces choses selon l'ordre de ce qu'il avait vu dans le ciel. Donc, les choses terrestres n'expriment que les choses éternelles. Si cette terre où nous vivons aujourd'hui est tellement grandiose comme nous l'aimons, nous aimons y vivre, respirer l'air, voir les fleurs et tout, si ceci est l'expression d'un monde qui va mourir, qui n'est que le reflet d'un monde éternel. Quand on voit un arbre lutter, tirer, peiner pour vivre, ça veut dire qu'il y a quelque part un arbre qui n'a pas besoin de faire cela. Quand on voit ici un homme qui lutte pour vivre, quelqu'un à l'hôpital, ou sur un lit de malade, ou dans un accident, qu'il lutte alors que la mort lui serre la gorge, qu'il se démène, qu'il crie et implore pour vivre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a quelque part un endroit, il y a un corps qui n'a pas besoin de lutter et d'implorer pour cela, voyez-vous. Il ne fait pas cela. Maintenant, ce sont des dons temporels qui nous sont faits et ne servent qu'à exprimer qu'il y en a un qui est éternel. Voilà ce que Jésus est parti préparer, celui qui est éternel pour nous. Cela montre tout simplement qu'il y en a une plus glorieuse de ce genre, car elles sont de la même espèce. Souvenez-vous que Jésus a dit, si cette tente terrestre où nous demeurons, si elle périt, nous en avons une qui nous attend déjà. Tout comme le petit bébé, à l'intérieur de sa mère, ses petits muscles qui bougent. Mais vous remarquez que vous pouvez prendre une femme, même si elle est vraiment méchante, mais quand elle devient une maman, quelque temps avant la naissance du bébé, cette femme est enveloppée par une sorte de gentillesse. Approchez-vous d'elle, il y a toujours quelque chose. Elle devient plus tendre. Pourquoi? C'est qu'il y a un petit esprit angélique qui attend de recevoir ce corps naturel.
Dès qu'il naît, le souffle de vie entre dedans et Dieu l'insuffle dedans et il devient une âme vivante. Tout comme ce bébé naît, il y a un corps spirituel qui est là pour le recevoir. Et là, quand ce corps vient au monde, comme le bébé qui vient au monde, il y a aussi un corps immortel qui attend que l'Esprit revienne à lui pour le recevoir. Oh, comme c'est glorieux! Nous sommes maintenant en Christ Jésus. Des bébés en Christ, des enfants de Dieu. Et nous attendons la pleine délivrance à la venue de notre Seigneur Jésus pour qu'il nous accueille auprès de lui quand le corps, ce corps mortel, revêtira l'immortalité. Dans sa ressemblance, toutes les choses qu'il a faites sont le reflet des choses qui vont arriver. Tout comme ce corps qu'il vous a donné pour y vivre ne fait qu'exprimer qu'il y en a un qui est plus glorieux et qui vient après. Si nous portons, si nous avons porté l'image du corps terrestre, nous porterons aussi l'image du corps céleste, qui n'est pas sujet au mal dans celui qui est à venir pour nous. Maintenant, celui-ci, il est sujet au mal, à la maladie, à la mort, au chagrin. Il n'y a pas longtemps, en prêchant au sujet de la transformation de la parole de Dieu, qu'il y a le mal dans ce corps, que toute cette civilisation moderne dans laquelle nous vivons est du diable. Vous croyez cela? La Bible le dit. Ce monde, chaque gouvernement, on aimerait mieux pas croire ça, mais la Bible le dit clairement, que chaque gouvernement, que chaque royaume de la terre est sous l'emprise du diable et gouverné par le diable. Jésus a été enlevé par Satan qui lui a montré tous les royaumes qui avaient existé et qui allaient exister dans le monde et tout. Satan a prétendu qu'il était à lui et que Jésus ne l'a pas contredit parce qu'il est le Dieu de ce monde. Il a dit, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez, il essayait de les donner à Jésus sans qu'il passe par le sacrifice. Vous voyez, c'était un marché qu'il voulait conclure avec lui. Mais le monde avait péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Par conséquent, il fallait qu'il meure. C'est pour cela que Dieu a été manifesté dans la chair, pour pouvoir prendre sur lui la mort, purger la peine. Il n'y a plus rien à quitter, il n'est pas hypothéqué, il est entièrement payé, la dette est entièrement payée. Maintenant, il lui appartient, et nous sommes les délégués de son royaume, rassemblés ici ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, assis dans les lieux célestes. Maintenant, dans ce monde où nous vivons, c'est l'instruction. Je voudrais vous prouver que l'instruction, la science, la civilisation et toutes ces choses dont nous semblons bénéficier aujourd'hui sont de Satan et périront. Vous me direz, frère Branham, la civilisation? Oui, monsieur. Cette civilisation est venue par Satan. Genèse 4 le prouve. C'est le fils de Caïn qui a commencé cette civilisation, qui a construit des villes, des flûtes et tout. Et la civilisation est venue par la connaissance. La connaissance, c'est ce que le diable a vendu à Ève dans le jardin d'Éden et qui lui a fait transgresser les commandements de Dieu. Donc il y aura une civilisation dans le monde à venir, mais ce ne sera pas cette sorte de civilisation. Car dans cette civilisation, il y a la maladie, le chagrin, la convoitise, la mort. Tout est mauvais dans cette civilisation. Mais dans cette civilisation-là, il n'y aura aucune de ces choses. Nous n'aurons pas besoin de la science. D'ailleurs, la science est une perversion de l'original. Vous voyez, faire éclater une molécule, des atomes, pour nous faire exploser. La poudre à canon, et puis tuer quelqu'un. On prend la voiture, on extrait l'essence de la terre, les substances de la terre, et on défait leur liaison pour leur permettre d'exploser. On s'en va sur la route à 150 km/h et on tue quelqu'un. Voyez-vous, on est tout nerveux, on se dépêche, et on se démène et tout. Tout ça est du diable. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'automobile, ni d'avion, ni de réalisation scientifique. Il n'y aura pas d'instruction du tout. Ce sera une instruction tellement supérieure à celle-ci qu'on n'aura même plus l'idée de tout ceci. L'instruction, la civilisation et tout ça vient de Satan. Maintenant, vous dites, frère Branham, pourquoi lisez-vous alors? Oui, c'est comme de demander pourquoi je porte des vêtements. La civilisation qui devait venir, celle qu'il y avait, au début, n'avait pas besoin de vêtements. Ils étaient voilés. Ils n'avaient pas besoin de porter des vêtements parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Maintenant, vous voyez que nous savons que nous sommes nus. Le péché est là et par conséquent, nous devons porter des vêtements.
Mais ce n'était pas ainsi au commencement, il n'y avait pas de péché. Et c'est la même chose pour la civilisation. Nous lisons, nous écrivons, nous faisons ces choses, mais ne vous conformez surtout pas à cela. N'en faites surtout pas votre Dieu, parce que c'est un Dieu de communisme. Ce n'est pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est par la foi. Pas parce qu'on peut prouver scientifiquement, mais parce qu'on croit. Je ne peux pas prouver scientifiquement ce soir dans ce bâtiment que Dieu existe. Pourtant, je sais qu'il est ici. Pourtant, ma foi le confirme. Abraham n'aurait pas pu vous prouver scientifiquement qu'il allait avoir un bébé de cette femme alors qu'elle avait presque 100 ans. Mais sa foi l'a confirmé, vous voyez. Il n'y avait pas à le prouver scientifiquement. Eh bien, le médecin aurait dit, ce vieil homme-là, il est fou. Il dit qu'il va avoir un bébé de cette femme alors qu'il a 100 ans et elle 90. Mais voyez-vous, Dieu l'avait dit, ce qui fait qu'il n'est pas besoin de science. Il faut la foi pour croire la parole de Dieu, pas la science. Dans les écoles et tout, c'est une aberration. Dieu n'a jamais dit, allez, faites des écoles, ni même des écoles bibliques. Vous saviez cela? Il a dit, prêchez la parole. Exactement. Notre système éducatif nous a éloignés de Dieu plus que tout. Plus loin de Dieu. Pas construire des écoles, des hôpitaux, tout ça. C'était pour le monde et pour ce groupe-là. Je n'ai rien contre eux. Ils ont leur rôle à jouer. Mais ce n'est quand même pas ça. On a beau construire un hôpital, tout ce qu'il y a de mieux et pratiquer notre meilleure médecine, il y a quand même des milliers de gens qui meurent chaque jour. Mais oh là là, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de chagrin. Amen, il n'y a pas besoin de ces choses du monde. C'est que nous serons passés de ces choses-ci aux réalités de Dieu. Alors qu'on déploie tant d'efforts pour essayer de trouver par la science, plus on avance dans la science, plus on attire la mort sur nous-mêmes. C'est un combat perdu d'avance. Alors laissez tomber et par la foi, croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et acceptez-le. C'est lui. Qu'est-ce que la science vous prépare? Encore plus de morts, c'est vrai. Les Spoutnik, tout ce qu'on lance, toutes ces choses qui répandent la mort et tout partout sur la terre. Ne regardez pas ça. Levez la tête plus haut que ça, vers le ciel. Regardez à Jésus assis à la droite de Dieu ce soir. Il est vivant pour toujours afin d'intercéder de notre confession selon laquelle nous croyons que sa parole est la vérité. Nous voyons que cette vie renferme toutes sortes de maux et la vie à venir n'en aura point. Celle-ci a la convoitise, la maladie, la mort. Qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas la maison qu'il est allé nous préparer. Ceci est une maison pestiférée. Combien savent ce que c'est une maison pestiférée? Eh bien, c'est là où vous vivez. C'est une maison de pestiférés. C'est là où on mettait tous les gens malades. Et c'est exactement ce que le péché a fait de nous. Il nous a mis dans une maison de pestiférés sur cette terre. On ne vous laissait entrer personne d'autre dans une maison de pestiférés parce qu'il y avait toutes sortes de microbes qui traînaient là. Et les gens attraperaient ces microbes et tomberaient malades eux-mêmes. Et le péché nous a mis dans la maison de pestiférés du diable. Oh, mais l'autre, on l'appelle la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, vous faire sortir de cette maison de pestiférés et vous délivrer pour vous faire entrer dans la maison de mon Père. Amen. Me faire sortir de cette maison de pestiférés. Il est allé me préparer une place, un endroit parfait, où il n'existe aucun mal, où il n'existe aucune maladie, pas de vieillesse, où il n'existe aucune mort. C'est un endroit parfait qui vous appelle à cette perfection. Et vous devez être parfait pour arriver là. La Bible le dit. Jésus a dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est un royaume parfait. Donc il faut que ce soit un peuple parfait qui y entre. Puisque vous devrez être là, marié à un fils de Dieu parfait, vous devez être une épouse parfaite. Ainsi, comment est-ce que vous pourriez y arriver? Pas autre chose que la parole parfaite de Dieu, l'eau de la séparation qui nous lave de nos péchés. C'est vrai. Le sang de Jésus-Christ, pensez-y. La parole qui ruisselle de sang, le sang, la parole de Dieu qui saigne pour que ce sang lave l'épouse. Oui, monsieur, elle est parfaite, vierge, pure. Elle n'a jamais péché du tout. Amen. C'est un piège qu'il a fait entrer là-dedans. Oui. Voilà la maison du Père qui est allée préparer. Celle-ci est venue par le sexe depuis la chute. Par conséquent, elle devra tomber avec la chute. On a beau la raccommoder, cette vieille histoire, elle finira quand même par déchoir. C'en est fini d'elle, parce qu'elle est condamnée, parce que Dieu l'a dit. Elle est finie. Dieu va la détruire, il l'a dit. Ce sera entièrement rénové. Vous croyez cela? Au commencement, quand le monde vit le jour, quand Dieu a retiré pour la première fois les eaux de la terre, comme il l'a fait pour l'eau, dans le sein de la mer, un monde est né. Oui, et les gens ont commencé à y vivre quand Dieu les y a placés, et ensuite ils se sont mis à pécher, il a été baptisé par immersion à l'époque de Noé.
Ensuite, elle a été sanctifiée par le sang du Créateur qui a coulé dessus. Et maintenant, c'est de la même manière que vous êtes venu par la justification pour avoir cru en Dieu. Vous avez été baptisé du baptême de repentance, la rémission de vos péchés. Vous avez confessé vos péchés devant Dieu et il vous les a pardonnés. Et vous avez été baptisé pour montrer que vous avez été pardonné, pour confesser devant les gens et vous montrer au monde que vous avez cru que Jésus-Christ est mort pour vous et qu'il a pris votre place. Et maintenant, vous êtes à sa place. Il est devenu vous afin que vous deveniez lui. Alors, la puissance du sang de Dieu qui vous sanctifie à nettoyer votre vie de toutes les mauvaises habitudes. Avant, vous fumiez, buviez ou faisiez des choses qui ne sont pas justes, vous mentiez, alors tout. Et la puissance sanctificatrice du sang de Jésus-Christ entre dans votre vie. Elle ôte toutes ces choses de vous. Si vous arrivez à dire si quelque chose va de travers, alors vous dépêchez de dire « pardonnez-moi ». Mais vous ne voulez pas le dire comme ça. Le diable avait préparé un piège là, mais vous avez la grâce pour revenir si vous êtes un vrai chrétien en disant « j'ai eu tort ». La chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, Dieu, une fois que ce millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Il fera tout exploser, les cieux et la terre seront en feu, Pierre l'a dit. Et elle recevra un baptême de feu et elle sera entièrement renouvelée. Alors il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est là que la justice demeurera. C'est là où nous sommes. Nous sommes passés de l'état d'homme mortel, d'être temporel à celui d'être éternel, quand la parole de Dieu a éclairé nos âmes et que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, avec les attributs, les gènes de Dieu en nous, par lesquels nous sommes fils et filles de Dieu en criant. Abba, Père, mon Dieu, dans la maison de mon Père. Ce vieux monde doit déchoir, tomber, parce qu'il est venu par le sexe, il est venu par la désobéissance au début. Et nous sommes nés ici par le sexe à travers la chute, et de même il doit retourner droit à la chute. Mais celui qu'il est en train de vous préparer maintenant ne peut pas tomber, parce qu'il le construit lui-même. Et si nous devrions rester dans un corps comme celui-ci, n'êtes-vous pas heureux que la mort existe? N'est-ce pas étrange? Disons par exemple, il y a quelques années, j'étais un petit garçon, et maintenant, je suis un homme d'âge moyen. J'ai un ami qui est assis là, M. Dow. Il a accompli 93 ans, il y a quelques jours. Regardez comme il est maintenant. Dans 40 ou 45 ans, ce sera moi. Maintenant, rajoutez-lui encore 40 ans. Où est-ce que vous iriez? Je suis heureux qu'il y ait quelque chose qui nous fasse sortir de cette maison de pestiférés. Il y a une porte là qui s'appelle la mort. Jésus se tient à cette porte. Amen. C'est lui qui me fera traverser le fleuve. C'est lui qui me fera franchir cette porte. Il y a une grande porte qui s'appelle la mort et chaque battement de cœur vous rapproche davantage. Et un jour, il me faudra arriver à cette porte. Vous devrez y arriver. Mais quand j'y arriverai, je ne veux pas être un lâche. Je ne veux pas crier et reculer. Je veux arriver à cette porte, me revêtir du vêtement de sa justice, pas la mienne, la sienne. C'est par ceci que je sais que je le connais dans la puissance de sa résurrection, de sorte qu'au moment où il m'appellera, je sortirai du milieu des morts pour être avec lui. Je sortirai de cette maison de pestiférés, peu importe où ce corps tombera, peu importe où il atterrira un jour. Il me l'a promis, nous le croyons. Il est en train d'en préparer un qui ne peut pas tomber. Remarquez ce qu'il en est du corps de la femme enceinte sur la terre aujourd'hui. Le corps de la mère réclame certaines choses. Je pense parler ici à tous les adultes qui peuvent comprendre. La mère, quand un bébé va naître, s'il y a quelque chose qui manque dans son corps, elle se met à réclamer certaines choses. Regardez comment papa, je me souviens que nous avons été élevés. Nous étions une famille pauvre, on avait à peine de quoi manger, nous étions des enfants. Et voir comment, avant la naissance du bébé, maman réclamait quelque chose et papa se démenait faisant tout ce qu'il pouvait pour l'avoir, voyez. Son corps, le calcium et tout dans son corps, et les vitamines dont elle a besoin, dont vous avez besoin pour vous construire. Voyez, alors il réclame ces choses, de quoi nourrir l'enfant qui vient, et de voir comment les parents essaient de se procurer ce qu'il faut pour que le bébé naisse aussi parfait et heureux que possible. Vous voyez comment vos parents font. Quand il a besoin de quelque chose, la mère en témoigne, voyez. Son système est fait ainsi. Vous comprenez? Et lorsqu'il y a quelque chose est nécessaire, la mère commence à avoir besoin de cela. Elle commence à avoir un grand besoin. Maintenant, stoppons-la une minute. Pourquoi est-ce qu'on a des réveils? Pourquoi est-ce qu'on se rassemble? Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de réprimander les gens? Pourquoi est-ce que je dis à vous, les femmes pentecôtistes, de cesser de porter des pantalons, de vous maquiller, de couper les cheveux?
Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que les pentecôtistes de l'ancien temps ne faisaient pas ça. Pour être vraiment conforme à la Bible, il ne faut pas faire ça. Vous portez des shorts et des vêtements d'hommes. Savez-vous que la Bible dit que c'est une abomination devant Dieu? Mais nous le permettons. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit crie contre cela? Il y a quelque chose là qui manque. Nous devons arriver à la pleine stature de Jésus-Christ. Nous devons être des fils et des filles de Dieu. Nous devons agir comme des enfants de Dieu. Il y a longtemps, on racontait une histoire. J'ai remarqué qu'il y a un frère de couleur assis au fond. Dans le sud, on vendait des esclaves à l'époque où il y avait des esclaves au temps de l'esclavage, avant l'abolition. Et ils allaient les acheter, ces gens, comme des voitures d'occasion. On faisait un acte de vente pour vendre des êtres humains. Comme si c'était des voitures d'occasion, on pouvait les acquérir par un acte de vente. Un jour, un acheteur est passé, un négociant. Il faisait le tour des esclaves, des plantations, là. Et voilà qu'il est arrivé à une certaine plantation. Et il y avait beaucoup d'esclaves. Il a voulu voir combien il y en avait. Ils étaient tristes. Ils étaient loin de chez eux. Ils venaient d'Afrique. On les avait amenés ici. Les bourses les avaient amenés. Ils les avaient vendus comme esclaves. Ils étaient tristes. Ils savaient qu'ils ne retourneraient plus jamais chez eux. Ils allaient passer leur vie et mourir dans ce pays. Et souvent, on devait les fouetter. Ils appartenaient à leur propriétaire qui faisait ce qu'ils voulaient. Et s'il le tuait, il le tuait. N'importe quoi, il pouvait le faire. C'est l'esclavage, comme Israël l'a subi, et comme beaucoup de nations ont été conduites en esclavage. Et ces pauvres esclaves, ils passaient leur temps à servir, ils pleuraient, vous savez, ils étaient tristes. Mais ils ont remarqué un certain esclave, un jeune, là, qui bombait le torse et qui avait la tête haute. Ils n'avaient jamais besoin de le fouetter, jamais besoin de lui dire quoi que ce soit. Ainsi, ce négociant lui a dit, « Je veux acheter cet esclave-là. » Il a dit, « Il n'est pas à vendre. » Il a dit, j'aimerais l'acheter. Il a dit, non, il n'est pas à vendre. Est-ce qu'il est le chef des autres? Non. Ce n'est pas le chef, c'est un esclave. Eh bien, peut-être que vous lui donnez autre chose à manger. Qu'est-ce que vous donnez? Non, ils mangent tous ensemble, là, dans la cantine. Qu'est-ce qui rend ce garçon si différent? Il a dit, eh bien, voilà. Moi aussi, je me suis demandé pendant un temps. Mais ce garçon, un étranger venu d'Afrique, mais en Afrique, son père est le roi d'une tribu. Il a beau être étranger loin de chez lui, il se comporte comme un fils de roi. Il sait qu'au loin, son père est roi de la tribu. Et maintenant, il se tient bien parce qu'il sait qu'il est le fils d'un roi. Oh, frères, sœurs, vous et moi dans ce monde où nous vivons, conduisons-nous comme des fils et des filles de Dieu. Nous sommes étrangers ici, mais notre comportement doit correspondre au commandement de Dieu, puisque nous sommes fils et filles de Dieu. Notre comportement, ce que nous faisons, nos actions, tout doit correspondre à la loi que Dieu a écrite. Et c'est une abomination pour une femme de porter des vêtements d'homme. C'est mal et un péché pour elle de se couper les cheveux. La Bible dit, c'est même inconvénient. Inconvenant à quel prix les cheveux coupés, vous voyez ce que... Frère Branham, quelqu'un a dit, je voudrais que vous imposiez les mains. Vous allez ruiner votre ministère. J'ai dit, quoi? À force de taper sur le dos des gens comme ça. J'ai dit, oh, je le crois. Il a dit, moi aussi, je suis pentecôtiste. Je crois que les femmes ne devraient pas avoir les cheveux courts, qu'elles ne devraient pas porter des pantalons et toutes ces choses, se maquiller. Il a dit, je ne devrais pas faire cela. Mais Dieu vous a appelé à prier pour les malades. Il m'a appelé à prêcher l'Évangile. Il dit, je veux bien le croire, mais vous pensez... J'ai dit, écoutez, regardez un peu ce que vous avez, tous ces grands programmes, les émissions télévisées, tout le reste. Moi, je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. C'est juste. Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. Il a dit, vous allez ruiner votre ministère. Et j'ai dit, tout ministère que la parole de Dieu détruit doit être détruit. C'est vrai. Absolument. Eh bien, vous allez le ruiner. J'ai dit, qui le dira alors? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le dise. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne position pour la vérité, même si ça fait mal. Et mes amis, en tant que chrétiens, puisque nous croyons que nous allions au ciel, le Saint-Esprit lui-même nous fera correspondre à la parole de Dieu. Il a dit, vous savez ce que vous devriez faire? Il a dit, les gens croient que vous êtes prophète, vous devriez enseigner à ces femmes comment recevoir les dons de prophétie et des choses comme ça, et des choses plus élevées au lieu de ces petites choses. J'ai dit, comment est-ce que je peux leur apprendre l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas apprendre leur ABC? Même pas les choses communes. Les choses simples, naturelles. Comment leur apprendre les choses supérieures? Si vous ne pouvez pas arriver au sommet de l'échelle sans avoir posé sur le premier échelon, sinon vous allez tomber. Voyez-vous, votre vie doit correspondre chaque point de la parole que Dieu a prévu.
Maintenant, pensez comment Dieu, nous devons nous comporter et agir comme des chrétiens. Notre comportement devrait être comme celui des chrétiens parce que nous sommes ici des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure. Nous sommes mis ici simplement temporairement. Nous devrons partir, chacun de nous. Maintenant, pensez-y. Si Dieu, dans sa bonté, a fait que la mère, avant la naissance du bébé, il a besoin de vitamines et la mère exprime ce besoin. Papa, je voudrais une pastèque ou un melon. Je voudrais telle ou telle chose. Il fera tout ce qu'il peut pour lui procurer parce qu'il sait. Il veut que son enfant naisse aussi parfait que possible. Donc il fera tout ce qu'il peut pour le lui procurer. Combien plus lui est capable de le procurer, lui qui est le Créateur. Pensez un petit peu. Il est capable de nous préparer un corps dans lequel vivre, un corps semblable à son corps glorieux. Si nous voulons vivre, il y a quelque chose en nous qui appelle à la vie. Et s'il y a en nous quelque chose qui appelle à la vie, à faire ce qui est juste, alors Dieu fera s'avancer sur l'estrade ou à la chair quelqu'un qui prêchera la vérité absolue. Cela vous montre. Alors si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous allez vous crier, vous écrier, « Oh Dieu, enlève cela de moi, circoncis-moi de ceci, enlève ces choses de moi. » Pourquoi? C'est nécessaire pour votre demeure céleste vers laquelle vous allez, celle qu'il est allé vous préparer. Vous devez être une véritable épouse parole de Christ. Il y a quelques soirs, je prêchais sur le sacrifice, au jour de l'expiation. Je prêchais sur le seul endroit où Dieu, la seule église où Dieu vient à la rencontre de l'homme, là où il a mis son nom. Il a dit, je ne viendrai à sa rencontre dans aucun autre endroit, mais la porte où j'ai mis mon nom. Maintenant, ce n'est pas un lieu méthodiste, ou baptiste, ou pentecôtiste, mais il a mis son nom dans son fils. Il a dit, je suis venu au nom de mon père. Tout homme, tout enfant vient sous le nom de son père. Je suis venu sous le nom de Branham parce que mon père était un Branham. Vous êtes venu sous le nom de votre père. Et Jésus, le Fils, est venu au nom de son Père. Il a dit qu'il a mis son nom. C'est dans ce lieu que j'ai mis mon nom, là où il y a le sacrifice. C'est le seul endroit où vous pouvez trouver la communion avec Dieu. Vous pourrez l'adorer correctement. C'est en Jésus-Christ. Vous dites, j'appartiens à l'Église. Ça n'a rien à voir. Vous devez être en Christ. Un certain prédicateur de dénomination me parlait l'autre soir. Monsieur Branham, écoutez, Jésus a dit, quiconque croit, la Bible dit, quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est né de l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit, la Bible ne dit-elle pas aussi qu'aucun homme ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit? Voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la Bible. Il faut que ça corresponde exactement. Donc, il faut être absolument né de nouveau par le Saint-Esprit en vous pour pouvoir témoigner que vous savez vous-même qu'il est le Fils de Dieu. Et alors, si vous faites partie, si vous êtes un enfant de Dieu, dans la parole de Dieu, comment pourriez-vous renier la parole? Comment le Saint-Esprit pourrait-il vous faire croire un credo qui dit que vous devez faire une telle chose, alors que la Bible déclare autre chose? Il faut se rattacher à une église, faire ceci, cela, alors que la Bible dit clairement ce que vous devez faire. Quand vous voyez cela, alors vous allez tout de suite, vous vous mettez tout de suite et ça continue à avancer, à grandir, comme un gerbe qui entre dans le sein d'une femme qui a l'ovule. Et alors quand ce petit ovule se met à se développer et commence à produire des germes, il ne produit pas un germe humain, un germe de chien ou un germe de vache, il ne produit que des germes humains. Et quand un enfant de Dieu, quand cette vie prédestinée, j'utilise la Bible de Dieu, la préscience. Dieu a prédestiné cette semence prédestinée que vous devez être. Et quand Dieu vous a appelé, cette semence-là, elle va s'édifier parole sur parole, parole sur parole, et ça ne se mélangera avec aucun credo. Remarquez, dans les lieux où ils habitaient chaque jour, ils devaient manger du pain cachère frais. On ne trouvait pas de levain parmi eux pendant 7 jours, n'est-ce pas vrai? Alors, dans les 7 âges de l'Église, sans levain, pas de credo, rien d'ajouter. Il faut que ce soit absolument du pain sans levain. On ne trouvera parmi vous aucun levain. Simplement le levain, la parole elle-même. C'est la seule, et cette parole est Dieu. Et Dieu a été fait chair dans la personne de Jésus-Christ, qui est cette porte. Voici la porte où je viendrai à votre rencontre, où vous rendrez votre culte lorsque vous suivez les commandements de Dieu. C'est pourquoi, ce soir, vous dites, j'offre ma vie à Jésus-Christ et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Entrez en lui. Vous devez le faire. Vous devez grandir en lui. Demandez à Dieu d'ajouter parole sur parole comme cela jusqu'à ce que vous arriviez à la pleine stature de fils de Dieu ou de fille de Dieu. En enlevant les choses du monde. Dans Jean, il est dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Vous avez été séduit.
Vous avez l'amour du monde là, et il vous a séduit, le diable, en entassant des choses là. Voyez. Vous ne pouvez pas retrancher de la Bible une seule parole de Dieu. Qu'est-ce qui a engendré le premier péché? Ce n'est pas un gros mensonge évident, mais c'est parce qu'Ève a une mauvaise interprétation, c'est le diable qui lui a donné, d'une seule parole. Une seule parole a rompu la chaîne. Et c'est une seule parole qu'Ève a refusée. C'était le début de la Bible. Jésus est venu au milieu de la Bible. Et il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu tout entière. Vous croyez que c'est ainsi qu'il se révèle? La parole de Dieu entière. Alors, dans Apocalypse 22, Jésus est venu à Jean sur l'île de Patmos, et Jésus a dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Quiconque en retranchera une parole, ou ajouter une parole, je retrancherai sa part du livre de vie. » Ils sont nombreux à dire, « Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est très bien. Alors, ajoutez-y tout le reste. Vous dites, je suis justifié, j'ai serré la main du prédicateur, je crois en Jésus-Christ. Alors, vous devez naître de nouveau. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Continuez d'ajouter au fur et à mesure que vous avancez. Vous grandissez pour arriver à la stature d'un fils ou d'une fille de Dieu. Oh là là, Dieu peut vous préparer, nous donner ce qui correspond à ce grand désir de notre vie. Combien ici veulent plus de Dieu? Eh bien, cela montre qu'il y a plus de Dieu pour vous, voyez. Vous en avez besoin. Vos petites douleurs de l'enfantement approchent, voyez. Vous avez besoin de plus pour que nous soyons heureux, libres et parfaits. Il nous le faut. Comme le petit germe de vie dans le sein de Dieu, tout comme le petit germe de vie qui est dans le sein de la mère. Dieu fait grandir. Il est allé nous préparer une place, cet endroit éternel, où nous serons avec lui, pas un endroit à pestiférer. Avec la mort, le péché, l'adultère et la souillure du monde qu'il y a ici, si vos pensées sont tournées vers cela, ça montre que votre esprit n'a pas rencontré Dieu. Vous êtes fait une idée, vous avez une illusion mentale, vous êtes rattaché à une église et vous dites, eh bien, je fais partie de ceci, ma mère faisait partie de cela. C'était peut-être bien à l'époque de votre mère, mais nous vivons dans une autre époque. Le message de Wesley n'aurait jamais pu prendre Luther croyait à la justification, mais Wesley avait la sanctification. Les pentecôtistes sont arrivés, ils ne pouvaient pas prendre seulement la justification et la sanctification. C'était le temps de la restauration des dons. Maintenant, nous partons de là. Voyez, les trois étapes. La vigne qui grandit en premier, c'est une petite pousse Luther qui sortit à partir de la réforme. Très bien, ça c'était la tige. Observez la nature. Dieu et la nature travaillent en harmonie parce que Dieu est dans la nature. Ensuite vient l'aigrette, le pollen, l'âge méthodiste. Ensuite viennent des pentecôtistes. Oh là là, c'est tellement parfait. Voyez, tout comme un grain de blé ressemble vraiment à un grain de blé. Ouvrez-le, il n'y a pas de grain du tout là-dedans. C'est la balle, le porteur du grain. Mais cette vie passe à travers, voyez. Ceux du temps de Luther, à part Luther que la vie a traversé, ils sont partis et sont devenus une dénomination. C'est bien vite devenu une dénomination qui finira par être brûlée. Voyez. La tige se dessèche, elle n'était qu'un porteur. Il y en a qui essaient toujours de rester dans cette vieille tige qui servait de porteur. Ils ne savent rien de Dieu, ils sont morts. Ils disent, regardez, nous sommes une feuille, nous sommes des luthériens. C'est vrai. Mais où en êtes-vous maintenant? Et nous sommes des méthodistes, des pentecôtistes. Mais regardez les pentecôtistes, comme ils deviennent froids et formalistes. Qu'est-ce que c'est? C'est un porteur de la véritable semence. Tout cela, c'était des porteurs. Mais ils sont tournés en dénomination. Ils vous disent, je suis pentecôtiste, ça ne veut rien dire de plus pour Dieu. Que si vous étiez un catholique romain ou juif ou quoi que ce soit. Cette vie qui est venue à travers le porteur, ne restez pas dans la tige, ne restez pas dans la semence. Continuez dans ce qui est parfait. Maintenant, souvenez-vous, dans chaque réforme qu'il y a eu chez ces luthériens et les autres, au bout de 3 ans, ils sont organisés. C'est vrai. Chaque réveil qui a produit une organisation dans les 3 ans. Pensez un petit peu depuis combien de temps celui-ci dure. 20 ans et pas d'organisation. Pourquoi? C'est la semence qui vient, qui se forme comme ceci, sous la balle. Et maintenant, elle repose, elle doit reposer dans la présence du soleil pour mûrir et devenir le glorieux grain, semblable à celui qui avait en premier. La véritable église qui est tombée en terre au début, elle revient à travers la tige pour qu'une nouvelle église apparaisse. Quand la moissonneuse viendra pour la moissonner, la vie qui est passée à Luther et les méthodistes et puis les pentecôtistes, le tout entrera droit dans le grain et sortira pour former le corps parfait de Jésus-Christ. Tout comme le soleil se lève le matin, on ne peut pas observer quelque chose dans la nature sans que ça témoigne de Dieu. On n'a même pas besoin de la Bible pour savoir que Dieu existe. Le soleil naît comme un bébé, 10, 11 heures, il est terminé à midi, il est dans toute sa force, à 3 heures l'après-midi, il commence à se faire vieux, à 7, 8 heures, l'après-midi, il a les épaules qui tombent, il meurt, c'est fini. Non, il ressuscite le matin suivant.
Une vie, une mort, un ensevelissement, une résurrection. Regardez les feuilles qui poussent sur l'arbre. Une belle feuille pousse, elle donne de l'ombre, elle produit son fruit. Et puis l'automne arrive, apporte la mort, repousse tout vers les racines jusqu'en dans le sol. Est-ce que c'est fini? Au printemps suivant, elle ressort en témoignage. Oh, ça, c'est une vie perpétuelle. Mes frères, sœurs, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle par cette glorieuse personne qui est venue et qui est repartie, qui est capable de nous préparer un corps. Et ces douleurs de croissance que nous ressentons, comme vous les femmes qui vous sentez condamnées à cause de ce que vous faites, et vous les hommes qui vous accrochez à des doctrines et des séminaires et tout. Mais il y a quelque chose au fond quand vous voyez s'ouvrir les yeux des aveugles, les sourds. Les aveugles, toutes ces choses qui sont promises, vous voyez la parole prêchée dans sa puissance, vous voyez une prostituée quitter le trottoir pour venir une dame et que vous voyez un ivrogne sortir de là et devenir un véritable saint de Dieu. Là, vous voyez quelque chose, une vie là-dedans, et vous vous mettez à penser, bien peut-être que je ne devrais pas faire cela. Vous voyez, ce que c'est votre corps, là, qui a besoin de quelque chose. Mais Dieu a les vitamines juste là, pour chaque partie de ce corps. Jésus est allé préparer la place dans le sein de Dieu, oui, monsieur. Un petit germe, un fils de Dieu, un jeune fils ou une fille de Dieu. Jésus n'a demandé qu'une seule chose dans la prière au Père. Vous savez ce que c'est? Une seule chose. Après tous les sacrifices qu'il avait consentis sur la terre, la vie qu'il avait vécue, le chemin qu'il avait marché, il a demandé une seule chose, que là où je suis, ils y soient aussi. Il a demandé la communion avec nous. C'est la seule chose qu'il a demandé au Père dans la prière. Votre compagnie pour toujours. Si vous voulez lire, c'est dans Saint Jean 17, verset 24. Alors combien devrions-nous le désirer? Maintenant, écoutez. Si vous êtes vraiment né de l'Esprit de Dieu, alors c'est tout pour vous. Voyez, ce n'est pas un livre de règles, ce n'est pas des lois et tout ce que vous vivez. Vous vivez par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. J'ai souvent dit ceci, comme missionnaire, je pars outre-mer. Qu'en serait-il si je faisais venir ma femme, mes enfants, pour leur dire, bien, écoutez, les enfants, écoutez, Madame Branham, je suis ton mari. Tu ne devras pas avoir d'autre mari en mon absence. Si tu le fais, je te rosserai à mon retour. Oui, en tapant du pied. Et les enfants, vous écoutez ce que je dis? Est-ce que ce serait un foyer maintenant? Et si elle disait, « Monsieur Branham, je suis ta femme légitime. Toi non plus, tu ne devras pas avoir d'autres petites amies pendant ton voyage. » Eh bien, ça ne serait pas un foyer, n'est-ce pas? Ça serait terrible. Nous ne faisons pas ça. Je l'aime elle-même. Quand elle sait que je vais partir, elle sait que je ne pars pas, à moins que le Seigneur m'appelle à partir. Nous nous mettons à genoux. Dieu bien-aimé, prends soin de ma petite compagne, de mes enfants. Et eux, ils disent, « Oh Dieu, prends soin de papa. » Et quand nous partons là, maintenant, qu'arriverait-il si je faisais quelque chose de mal? Et si je commettais réellement une faute? Et que je revienne, que j'aille voir ma pauvre petite femme et que je me tienne à regarder son visage qui commence à se rider et ses cheveux grisonnants, que je m'approche d'elle pour lui dire, « Chérie, il faut que je dise quelque chose. Tu sais que je t'aime. » Bien sûr, Bill, je sais que tu m'aimes. Je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai ramené une fille à la maison. Je dirais, « Acceptes-tu de me pardonner? Je crois qu'elle me pardonnerait. Je le crois vraiment. » Mais est-ce que je ferais ça? Quand je la regarde debout là, et que je vois ses cheveux grisonnants, et que je sais qu'elle a fait écran entre le public et moi, et que je sais à quel point c'est une épouse dévouée, est-ce que je ferais ça? Oh frère, je préférerais mourir. Et si j'ai un tel amour filéo pour ma femme, combien plus grand est mon amour agapao pour Dieu? Oh, je ne ferai rien qui puisse le blesser, bien sûr que non. Je l'aime. Je veux faire tout ce qu'il veut. Je veux assumer chaque parole qu'il a dit. Peu importe ce que dit le monde. Je veux savoir ce qu'il me dit de faire. Et s'il me manque quelque chose, je veux qu'il me le donne. Et vivre pour lui en nous gardant du monde. Ce vieux corps terrestre ici, laissez-moi vous dire, ce corps terrestre auquel vous attachez tant d'importance, que vous calquez selon Hollywood, Hollywood n'est plus là pour très longtemps. Vous souvenez, vous avez entendu la prophétie que le Seigneur m'a donnée. Elle va sombrer, oui monsieur, remarquez bien, elle sombrera. Maintenant, il ne m'a jamais rien dit de faux, et je le maintiendrai devant qui que ce soit. Elle est finie. Le jugement est suspendu au-dessus d'elle. Il n'y a pas de rédemption pour elle, c'est passé. Oui. Maintenant, remarquez. Vivons pour lui en nous gardant du monde. Maintenant, écoutez. Vous regardez la télévision, certaines d'entre vous, les sœurs, et vous allez là, et les jeunes femmes, vous êtes jeunes, je sais bien, mais vous êtes chrétiennes.
Mais vous êtes différente. Vous n'avez pas à être comme le monde. Vous aimez les choses du monde. Pas seulement vous, les jeunes, mais aussi certains d'entre vous qui êtes plus âgés. Mais qu'est-ce que ça fait? Vous regardez la télévision, vous allez au magasin, et vous voyez ces petits vêtements bizarres que portent les femmes qui sont impies. Vous savez ce qui arrivera au jour du jugement. Vous avez beau être fidèle à votre mari, qu'on peut l'être. Au jour du jugement, vous allez répondre d'avoir commis adultère. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Qui est coupable? Vous. Vous vous êtes présenté. Ces shorts et ces pantalons. Il y a des femmes qui me parlent il n'y a pas longtemps. Elles disent, je ne porte pas de shorts, frère Branham, Dieu soit loué. Moi, je porte des pantalons. Je lui dis, ça, c'est pire. C'est pire. C'est à peine si on trouve encore des robes à acheter pour les femmes. Une femme m'a dit, eh bien, c'est vrai, ce que vous avez dit, on n'en trouve plus. Mais on vend encore du tissu et des machines à coudre. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ça montre, sœur, je suis votre frère et je suis un serviteur de Christ qui devra répondre au jugement. Oui, vous serez coupable d'adultère parce que l'amour de Dieu a quitté votre cœur. Vous allez toujours aux réunions, vous dansez peut-être dans l'esprit, peut-être que vous parlez en langue. Ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas ça. Non, monsieur. Rappelez-vous, la Bible dit, dans les derniers jours, il se lèvera de faux Christ, pas de faux Jésus. Ça, on ne s'y laisserait pas prendre, mais de faux Christ, des faux oints. Ils sont vraiment oints de l'Esprit du Saint-Esprit, et pourtant, ils sont faux. Oui. Vous êtes un être triple à l'extérieur et le corps, vous avez cinq sens qui vous permettent de contacter votre demeure terrestre. À l'intérieur, il y a un esprit, lui aussi a cinq sens, l'affection, la conscience, et ainsi de suite, par lesquels vous pouvez contacter. Mais à l'intérieur, il y a l'âme. Rappelez-vous que la pluie tombe sur les justes et les injustes. La même pluie qui fait pousser le grain de blé fait aussi pousser le chardon, voyez. Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur de cette semence, il y a une nature, et cette nature se manifeste. Elle peut se trouver dans le même champ, juste à côté de la mauvaise herbe. La mauvaise herbe et le blé se côtoient et se réjouissent autant l'une que l'autre. Ils baissent la tête, ils ont besoin d'eau. Et quand la pluie vient, le chardon crie aussi fort que le blé, mais c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Vous, chrétiens, il se peut que je ne vous revoie plus. Ça fait des années que je n'étais pas venu ici. Je ne vous reverrai peut-être plus. Alignez-vous avec la parole de Dieu. Regardez-vous dans le miroir. C'est comme un petit garçon un jour qui venait de la campagne. Il n'avait jamais vu de miroir. Il est allé chez sa tante et il s'est mis à monter sur les marches. Il a vu un miroir, là, un petit garçon devant le miroir. Et il a fait signe et le petit garçon faisait signe. Il continuait à le regarder. Il ne s'était jamais vu dans le miroir. Et une fois, il a dit, « Maman, mais c'est moi !» À quoi ressemblez-vous dans le miroir de Dieu? Est-ce qu'il reflète une fille ou un fils de Dieu? Est-ce que vous entendez quelque chose qui vous fait détester l'homme qui pêche? Voyez-vous dans les Écritures une maison dont cet autre-là aurait besoin, cette maison. Maintenant, souvenez-vous, nous faisons tellement de cas de ce corps, nous mettons tellement de vêtements, nous faisons des choses qui ne sont pas nécessaires, changer après changer, toutes ces choses. Si vous mettez votre escalier en rouge, regardez les Jones faire la même chose, ou si vous changez de voiture, voyez-vous, c'est l'époque de l'imitation. Il suffit qu'une femme vienne à l'église en portant un certain chapeau, et vous verrez toutes les femmes porter ce genre de chapeau, spécialement si c'est la femme du pasteur, voyez. C'est vraiment vrai. C'est le temps de l'imitation. Je ne m'inquiète pas de savoir si mon veston s'accorde avec mon pantalon. J'ai du mal à les accorder. Il faut que ce soit ma femme ou ma belle-fille qui me dise quel genre de cravate il faut porter. Je ne me soucie pas. Je veux que mon expérience s'accorde avec la parole de Dieu. Voilà ce que je veux. C'est là où je veux vivre, pas au bout de la rue avec les Jones, mais dans la gloire avec Jésus qui est allé me préparer une place. Nous voulons cela, oui, monsieur. Cette tente terrestre, vous savez ce que c'est? Ce corps, c'est comme un vieux veston qu'on porte. Un veston que vous avez porté. Mais maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous ne portez plus l'ancien. Qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez dans le placard parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur vêtement qui est plus au goût du jour que celui que vous portiez et qui est usé. Qu'est-ce que c'est? C'est ce vêtement. Vous êtes à l'intérieur de ce vêtement. Souvenez-vous, ce vêtement, qu'est-ce qu'il fait? Il a porté votre image. Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. C'est une loque. Et c'est ce qu'il en est de ce vieux corps.
Il a porté l'image du céleste. Pourtant, ce n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, êtes à l'intérieur de ce corps. C'est ce qui amène l'extérieur en soumission, parce que l'intérieur tire, l'amène à s'aligner avec la parole de Dieu. Votre intérieur, vous, vous-même, votre être, ce corps n'est qu'un vieux vêtement. Et un jour, qu'allez-vous faire? C'est comme ce vêtement terrestre, votre vrai corps. Votre véritable corps, votre vrai moi, se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau qu'on appelle William Branham ou Susie Jones ou n'importe qui, voyez-vous. Un jour, il sera rangé au musée terrestre de souvenirs qui reste de vous. Vous le déposerez là dans la tombe et quelqu'un érigera une pierre tombale. Si J, le révérend un tel ou Jean ceci, cela, il reposera là en votre mémoire. Et celui-ci, les gens vous voyaient, alors que vous étiez réellement, votre vrai moi était à l'intérieur. Mais le vieux manteau, lui-même, n'a fait que porter l'image du céleste. Oh, les amis, avez-vous réservé votre manteau de rechange? Est-ce que vous avez réservé votre place au ciel? Rappelez-vous, vous devez avoir une réservation. Sans cela, vous ne pourrez pas y entrer. Je vous parle dans un langage moderne. Mais vous savez, si vous allez à l'hôtel en disant, « Avez-vous réservé ?»« Je suis désolé, c'est complet. » Vous serez dehors dans le froid parce que vous avez négligé de le réserver. Et si vous arrivez à la fin de votre voyage sans réservation, il n'y aura personne là-bas pour vous accueillir. Vous devrez rester dehors dans une sombre éternité, là où il y aura des cris et des pleurs et des gémissements et des grincements de dents. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville parce que vous n'avez pas réservé. Il vous faut l'avoir pour entrer dans cette cité où Jésus est allé vous préparer une place. Rappelez-vous, vous devez avoir cette réservation et porter le vêtement du salut. Dans Matthieu, j'ai un passage biblique, Matthieu 20, 22 à 14, je n'ai pas le temps de le lire parce qu'il s'est fait trop tard, je vous ai parlé longtemps. Mais souvenez-vous, le roi avait lancé des invitations, il avait organisé un souper, il avait tué tous ses bœufs, préparé les bêtes grasses et tout, il avait invité beaucoup de monde à venir. L'un a répondu, « Eh bien, vous savez, après tout, je fais partie de ceci et de cela, il faut m'occuper de ma ferme. » Et un autre avait un tas de choses à faire. Il a envoyé à nouveau ses messagers et ils ont été maltraités. Et finalement, c'était la génération des Juifs à qui Jésus parlait. Et il a dit, « Allez donc, et contraignez l'aller par les rues et les sentiers et partout, contraignez les gens à entrer. » Et ensuite, il avait décidé que sa maison, que le souper des noces soit servi, il allait y avoir des convives. Et puis, il a trouvé là un homme qui ne portait pas l'habit de noces. Il voulait garder son vieux vêtement. Et écoutez ce qu'il a dit, « Mon ami, après t'avoir invité à mon repas de noces, après t'avoir invité et t'avoir donné une invitation à venir, si jamais vous êtes allé en Orient, j'ai plusieurs fois prêché là, il faut encore les repas de noces comme autrefois, le marié a un certain nombre de convives. Frère Cobb, vous avez probablement vu ça en Inde. Voyez, ils ont un certain nombre de convives à recevoir. Supposons qu'il veut avoir 30 convives. Maintenant, l'époux doit fournir les habits. Il doit les fournir. Par conséquent, il y a un homme qui se tient à la porte. Vous arrivez avec votre invitation, il examine votre invitation et il met sur vous un habit. Les uns sont riches, les autres sont pauvres et d'autres différents. Mais une fois qu'ils ont mis l'habit, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Et tout le monde doit être pareil. N'allez pas dire, moi je suis méthodiste, moi presbytérien ici. Non, non, pour commencer, vous n'entrerez pas. Vous devez venir par la porte. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Je suis pentecôtiste, je suis ceci, cela, ça ne veut rien dire du tout. Vous devez entrer par cette porte. Et si vous entrez par cette porte, vous recevrez l'habit. Et cet homme, quand il lui a demandé, « Comment es-tu entré ici, mon ami ?» voyez, ça montrait qu'il était attendu par un autre moyen, peut-être par la fenêtre, par l'arrière, mais pas par la porte. Pas par la porte, de la façon dont Jésus est venu, par le sacrifice de soi, en donnant tout ce qu'on est à Dieu, en allant jusqu'au calvaire, en étant crucifié avec lui, en ressuscitant, pour porter son habit de noces, son habit de sacrifice et de la mort aux choses du monde. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous.
Si vous avez encore l'amour du monde et que vous voulez agir comme le monde, vous êtes dans l'Église cependant, mais vous êtes un chardon à côté d'un champ de blé. Vous criez avec les autres, vous réjouissez avec les autres, toutes les bénédictions spirituelles sont sur vous. Vous dites, bien, je prophétise, Caïphe aussi, Balaam aussi. Ça n'a rien à voir. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme. Là, au fond, qui est née de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez. Alors, vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et ces choses qui vous arrivent, maintenant, c'est comme la maman, voyez-vous, dans les entrailles de la terre, essayant de venir, vous êtes un fils de Dieu qui naît, et vous voyez la parole, je devrais faire ceci, je devrais naître de nouveau. Eh bien, j'appartiens à l'Église. Ça ne veut rien dire du tout. Je suis méthodiste, ma mère. C'était valable pour votre mère. Je suis pentecôtiste, je fais partie de ceci. Si vous n'êtes pas aligné avec cette parole, il y a quelque chose qui cloche, voyez. À ce moment-là, vous voyez, c'est que votre vrai père n'est pas Dieu. Parce que cela commence réellement dans votre âme. Avant même qu'il y ait un esprit, c'était votre âme. Si cette âme n'est pas venue de Dieu, donc elle n'était pas un germe de Dieu dès le départ, vous êtes séduit. Vous êtes dans un champ de mauvaises herbes, rendant témoignage de mauvaises herbes du monde, naissant, agissant comme le monde, aimant les choses du monde parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Et il y aura des faux oints dans les derniers jours, pas de faux Jésus, ça, on s'y laisserait pas prendre, mais de faux oints, ils sont oints, oui monsieur, mais ils sont antichrist, ils sont oints de l'esprit pour faire les prodiges et les miracles que Christ a fait, mais ils ne veulent pas s'aligner avec la parole, oui. Beaucoup viendront à moi ce jour en disant, « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé et chassé des démons en ton nom ?» Et il dira, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. J'étais pentecôtiste, Seigneur. Gloire à Dieu, j'ai crié, j'ai parlé en langue, j'ai imposé les mains aux malades, je les ai guéris, j'ai chassé les démons. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Voyez-vous ce que je veux dire? Oh, petits enfants, est-ce que vous ressentez le besoin de cette vitamine? Ce soir, c'est quelque chose. Il y a un corps qui attend là-bas. Il y a un corps que nous allons recevoir qui nous attend. Mes amis, ne soyez pas séduits, ne soyez pas séduits. Le diable est un séducteur. Même l'habit de noces, vous devez le porter, il le faut. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Le corps terrestre va bientôt disparaître et nous nous préparons à entrer dans le corps céleste. Et maintenant, nous percevons cet étrange appel de Dieu pour nous rendre dans ce glorieux Éden. Et avant de naître ici, nos petits corps réclamaient quelque chose qui devait être fourni, sans quoi nous serions ici un enfant souffrant. Là où auprès de Dieu, il n'y aura pas de souffrance. Ils sont tous parfaitement alignés, l'épouse exactement comme l'était l'époux, la parole manifestée en sa saison. Puisse Dieu vous accorder ce soir, les enfants, à chacun de vous. Il y a un ciel où aller, il y a un enfer à éviter. Maintenant, beaucoup savent que le Seigneur m'a donné des visions, des milliers de visions. La chose la plus glorieuse, avant j'avais peur de la mort. Il y a environ 3 ans, vous avez vu l'ouvrage des hommes d'affaires chrétiens au-delà du rideau du temps. Je sais bien qu'il se pourrait que je ne vive pas jusqu'à demain. Je ne verrai peut-être jamais, mais ceci est la vérité. Je ne sais pas s'il faut appeler ça une vision ou quoi, mais un matin, récemment, je venais de me réveiller, je venais de rentrer d'une série de réunions et ma femme était endormie. Je lui ai dit, « Chérie, es-tu réveillée ?» Elle dormait encore. Je savais qu'il nous fallait nous lever pour amener les enfants à l'école. J'ai placé les mains derrière la tête comme ceci. Je me suis dit, « Eh bien, Bill Branham, tu sais que tu as plus de 50 ans. Si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de te dépêcher parce qu'il ne te reste pas beaucoup de temps. » Je me suis dit, « Oh là là, j'espère vivre pour voir la venue du Seigneur Jésus. » J'avais toujours imaginé que lorsqu'on mourait, comme un frère qui dirait, « Vous avez prêché dans mon assemblée un soir, frère Branham, mais il serait un esprit, je ne pourrais pas lui donner la main parce que sa main serait là dans la tombe en pourriture et la mienne aussi. » C'est comme ça que je me représentais les choses. Mais ce matin-là, j'ai senti quelque chose venir sur moi et je me suis dit, « D'habitude, c'est comme des visions. » Et j'ai regardé encore et je pensais, « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Et je voyais de grandes collines vertes et des jeunes femmes qui venaient de partout. Il y en avait des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Elles arrivaient toutes avec des cheveux longs dans le dos, habillées de robes blanches, pieds nus, et elles criaient « Notre frère ». Je me suis dit, « Eh bien, ça c'est bizarre ». Je me suis retourné pour regarder, et je me suis vu étendu là, et ma femme était étendue sur ce lit.
Et j'ai dit, vous savez quoi? Je suis mort. Je disais, voilà ce qui s'est passé. Je suis mort. Et je me disais, c'était peut-être une crise cardiaque ou quelque chose, je suis mort. Voilà, mon corps était étendu là, j'étais étendu avec la main en arrière, tout raide. Je me suis dit, c'était à 5 mètres de moi. Et j'observais, je me suis dit, voilà ma femme, tout est là, voilà ma chemise suspendue là au pied du lit. Et je me suis dit, et moi je suis ici. J'ai regardé de nouveau, et toutes ces femmes arrivaient. J'ai regardé, venant de ce côté. Et voilà qu'arrivaient mes frères, tous bien réels, l'aspect de jeunes hommes. Et ils criaient, notre précieux frère. Je ne savais pas à quoi penser. Je me disais, c'est bizarre. Et je me suis regardé. J'étais jeune. Je me suis dit, c'est vraiment étrange. Je me demandais, est-ce que c'est une vision? Je me suis mordu le doigt. Je me suis dit, non, ce n'est pas comme les visions que j'avais. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a parlé là. Tu es entré auprès des tiens. Et je dis avec les miens, ce sont tous des Branham. Ce sont tes convertis à Christ. Et ces femmes, vous savez, on m'a toujours trouvé misogyne, mais ce n'est pas vrai. Je n'aime pas les personnes immorales, indécentes, mais j'aime bien les vraies et authentiques sœurs en Christ. Si elles sont comme ça, c'est très bien. J'ai des cicatrices de l'époque où j'étais un jeune garçon. J'ai connu des événements qui m'ont rendu comme ça. Mais tout cela est arrivé parce que Dieu me formait pour cette heure-ci. Et je pense qu'il n'y a rien de tel qu'une vraie sœur authentique. La meilleure chose que Dieu puisse donner à un homme à part le salut, c'est une épouse, voyez-vous. Ainsi donc, s'il avait pu donner quelque chose de meilleur, il l'aurait fait. Et alors, quand on voit qu'ils ne se comportent pas comme des épouses, étant infidèles à leur vœu de mariage, et que leurs maris en font tant. Souvenez-vous, vous êtes liés l'un à l'autre tant que vous êtes vivants. Ce que Dieu a uni sur la terre est uni aussi dans le ciel. Et ainsi, je voyais cela, et ces femmes accouraient, me sautaient au cou, me prenaient dans les bras et m'appelaient frère. Eh bien, c'était des femmes. Mais il ne peut pas y avoir de péché dans cet endroit. Voyez, c'était des femmes. Et voyez-vous, ce qui fait de nous maintenant une femme avec des glandes femelles et un homme avec des glandes mâles, c'est pour élever des enfants. Là-bas, il n'y en aura pas. Ils auront tous les mêmes glandes, mais ils garderont l'apparence, l'image terrestre qu'ils portaient ici, mais il n'y aura pas de péché. Vous serez tous pareils, on n'élèvera plus des enfants là-bas. Voyez. Ce sera ainsi. Et je regardais, et ces femmes et ces frères m'ont placé dans un endroit élevé, et j'ai dit, pourquoi faites-vous ça? Il m'a dit, sur la terre, vous étiez un leader. Il a dit, et voici les vôtres. Alors, quelques femmes se sont approchées, notre précieux frère. Une si jolie femme, quand elle est passée devant moi, et une voix m'a dit, tu te souviens pas d'elle? J'ai répondu, non. Tu l'as amenée à Christ alors qu'elle avait plus de 90 ans. Tu comprends pourquoi elle t'appelle précieux frère? Et j'ai dit, et si je suis passé de l'autre côté, je veux voir Jésus. Il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Ceux-ci sont ce que la Bible appelle les âmes sous l'autel. Lui est un peu plus haut. Un jour, il reviendra. Nous retournerons sur la terre ici et nous ne mangerons pas. Nous ne boirons pas. Il dit, il n'y a pas de mot pour l'exprimer. Parfait, sublime. Il n'y a pas de vocabulaire dans l'anglais. Aucun mot ne peut exprimer ce que c'est. C'est au-delà de ce que je connais. Il était là. Il n'y avait pas de maladie, pas de tristesse. On ne pouvait pas mourir, on ne pouvait pas pécher. C'était parfait. Juste parfait, les amis. Vous ne devez pas manquer ça. Souvenez-vous, quand j'étais un petit garçon, j'ai eu une vision de l'enfer quand j'étais un jeune garçon. Vous savez comment les femmes aujourd'hui, pas une dame, elles n'agiraient pas comme ça. Elles se maquillent les yeux pour ressembler à un loup ou quelque chose du genre. Avec ce truc bleu au-dessus des yeux, j'ai vu ça. J'étais en train de sombrer. J'avais reçu un coup de fusil. J'étais malade, là, agonisant à l'hôpital. Je savais que Dieu existait. Je me rappelle la première prière que j'avais essayé de dire. Je n'ai jamais dit ça avant. J'avais reçu un coup de fusil. J'étais étendu là, en train d'agoniser. Et la seule chose, je disais, Seigneur, tu sais, je n'ai jamais commis adultère. Vous voyez? J'étais un jeune garçon d'une quinzaine d'années. J'avais essayé de vivre comme il faut. Et j'ai dit, j'ai vécu dans la pureté. C'est tout ce que je pouvais dire. C'était le seul mérite que je pouvais présenter. J'étais allongé là. Et le médecin s'était éloigné. Je me suis senti sombrer dans une éternité obscure. Et j'ai crié, appelant mon père, oh papa, aide-moi. Il n'y avait pas de papa là. Maman, au secours. Maman n'était pas là. Oh Dieu, aide-moi. Dieu n'était pas là. C'était un cauchemar horrible, interminable. Un enfer de feu et de flammes serait un endroit délicieux comparé à cela. Et en sombrant là, je me suis dit, oh là là, et continuant comme ça, je suis arrivé dans un endroit enfumé, obscur, écœurant. Oh, quelle sensation! C'était la mort qui était sur moi. Et je voyais ces femmes s'approcher de moi avec les yeux tout maquillés comme ça.
Souvenez-vous, il y a 45 ans de ça, 45 ans. Et ça faisait « ouh, ouh ». J'ai dit « Est-ce que je dois rester là pour toujours ?»« Pour toujours ». J'ai dit « Oh Dieu, si tu me fais sortir d'ici, je n'aurai plus jamais honte de toi. Je n'aurai plus jamais honte. Oh Dieu, je t'en prie, donne-moi une chance. » Et puis je me suis senti revenir. Et le médecin était inquiet parce que mon cœur ne battait plus qu'à 17 battements par minute. J'avais perdu tout mon sang, je baignais dans mon propre sang. Et je me suis demandé si ça pouvait arriver un jour. Il y a environ 2 ans, quand je suis allé habiter à Tucson, j'étais au magasin JCPenney avec mon épouse, j'étais assis là, la tête baissée, j'attendais, parce que vous savez comment sont les femmes, elles prennent tout leur temps dans les magasins. Alors j'étais assis là, la tête baissée comme ça, et à l'arrivée de l'escalator, voilà, j'ai vu arriver quelques-unes de ces femmes avec des cheveux coupés à l'hydrocéphale, les yeux tout maquillés, et elles parlaient en espagnol. Et cette vision est réapparue. C'était ça. Ouh, ouh. Frères, sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Ça peut vous sembler comique maintenant, mais arrivez une fois là. C'est vraiment sérieux. Ne prenez jamais cette voie-là. Moi, un homme âgé, prédicateur, j'ai prêché tout autour du monde, j'ai des millions d'amis. Mais je sais que je devrais me tenir avec vous. Éloignez-vous des choses du monde. Et s'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à vous comporter comme avant, avec les choses du monde, rappelez-vous, vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'êtes qu'un membre d'Église. Jusqu'à ce que cet appel, cette profondeur qui appelle une profondeur, avant qu'il y ait une nageoire sous le dos d'un poisson, il fallait d'abord de l'eau pour qu'il puisse nager. Sinon, il n'aurait pas eu de nageoire. Avant qu'un arbre puisse pousser sur la terre, il fallait qu'il existe une terre. Sinon, il n'y aurait pas d'arbre pour y pousser. L'arbre n'aurait pas eu de raison. Et avant qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait un créateur. Bénis ceux qui ont faim et soif de la justice. Oui. Il y a quelque chose en nous. Vous avez levé la main il y a quelque temps pour dire, je veux plus de Dieu. Oui. Il y a un besoin. Et si vous aimez le monde et que vous alliez dans ce sens-là, les choses du monde, vous suivez le train du monde, vous irez à la chute. Sortez, vous êtes fils et filles du roi, le roi. Soyez des dames et des hommes qui se respectent. Marchez comme des chrétiens, vivez comme des chrétiens, agissez comme des chrétiens. Rappelez-vous, je vous retrouverai à la barre du jugement avec ces remarques. Regardez-vous dans le miroir. Vers où est-ce que je vais? Est-ce que Jésus me prépare une place, un corps? Ce corps est parfait. Ce corps marche dans l'ordre. C'est un fils ou une fille devant Dieu. Et je suis dans les douleurs d'enfantement ici pour naître dans ce corps-là. Si j'aime encore le monde, ça me montre que je n'ai pas de corps là-bas. Je ne suis qu'un membre d'Église. Je n'étais pas un germe de Dieu. Il n'est pas mon Père. Il a dit, si vous ne supportez pas le châtiment, c'est ce que vous recevez maintenant, alors vous êtes des enfants bâtards et non des enfants de Dieu. N'est-ce pas vrai? Est-ce que la Bible le dit? Si vous ne supportez pas le châtiment de Dieu, quand vous voyez la Bible vous aligner et vous dites, « Oh, je ne veux pas entendre ces affaires-là, je suis un chrétien, je fais ce que je veux. » Très bien, continuez. Oui. C'est bien la preuve sûre que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, il a faim et soif. Pourquoi? S'il y a quelque chose dans votre cœur qui vous dit que vous en avez besoin, cela montre qu'il y a quelque chose qui palpite, qui essaie de vous attirer là. Il y a un corps là-bas, dont celui-ci est le type. À quoi celui-ci vous sert-il? À glorifier le diable, le monde, les modes et tout? Ou votre regard est-il tourné vers le ciel? Et s'il y a quelque chose là-haut, vous glorifiez Dieu par votre vie. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous recevoir en moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les choses qui doivent arriver, ces choses qui existent maintenant, sont seulement un potentiel qui appelle les choses qui vont arriver. Prions. Réfléchissez sérieusement, cher ami chrétien. Pensez sérieusement à un moment. Soyons vraiment calmes. Laissons parler le Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur Jésus m'a envoyé vers vous, les pentecôtistes, il y a bien longtemps. L'un de vous ici est devenu votre pasteur. Il dit qu'il a trouvé sa vocation à travers mon ministère. Il a vu le Seigneur Jésus ouvrir les yeux des aveugles, les hydrocéphales redevenir normaux. Je fais toujours des services de guérison.
Mais je réalise que j'ai prié pour beaucoup de gens qui étaient très malades. Ils ont été guéris. Le Seigneur a répondu à la prière, a guéri les malades. Mais vous savez, certaines de ces personnes qui avaient été guéries sont déjà mortes. Et peu importe combien vous êtes malade, même si vous êtes guéri, vous mourrez de toute façon. Mais cette âme, mon précieux frère, cette âme, ma précieuse sœur, pensez-y maintenant. Elle est éternelle. Si cet amour de Dieu n'est pas là, s'il n'y a rien qui attire, demandez à Dieu, « Oh Dieu, donne-moi un nouveau départ ce soir. Je t'aime, Seigneur, je veux t'aimer. Il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit que je dois vivre plus près de toi. Je veux venir maintenant, Seigneur. » Si cette personne ou ces personnes sont dans cette salle ou en dehors de cette salle, je vous demande, en tant que serviteur de Christ, au nom de Jésus-Christ, voulez-vous bien, avec la tête baissée, lever la main vers Dieu et dire ceci, « Oh Dieu, attire-moi plus près de toi. Je veux m'aligner avec tout ce que tu es dans ta parole. » Levez les mains maintenant et soyez vraiment honnête. Pensez-y. Vous dites, j'ai fait ceci, j'ai crié dans l'esprit, j'ai parlé en langue. Mais écoutez, il manque quelque chose dans ma vie. En regardant dans le miroir de la parole de Dieu, je sais qu'il y a quelque chose. Je vais à l'église, mais je ne suis pas ce que je devrais être. Oui, ça montre qu'il y a quelque chose. Maintenant, si vous voyez que vous n'êtes pas aligné avec la parole de Dieu et qu'il n'y a rien en vous qui vous pousse à lever la main, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ma mère disait, on ne peut faire sortir du sang d'un navet parce qu'il n'y a pas de sang là-dedans. Oui. Réfléchissez-y bien sérieusement. C'est peut-être votre dernière occasion. Il y a 30 ou 40 mains levées. Même des ministres. Soyez bien respectueux un instant. Maintenant, pensez là directement, Seigneur Dieu, je pourrais être tué ce soir dans un accident. Je pourrais mourir d'une crise cardiaque. Un de ces matins, il se pourrait que j'appelle le médecin, qu'il vienne et que mon pouls soit en train de faiblir. Je m'en irai, j'appuierai ma joue contre l'oreiller. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oui. Ce serait le dernier battement de votre cœur, vous arriviez à cette grande porte. Vous ne vous en sortirez pas à moins d'être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous ne vous en sortirez pas à moins qu'il y ait quelque chose en vous après être né de l'Esprit de Dieu qui a faim et soif d'avancer avec Dieu. Voyez, vous êtes un enfant de la terre, dans les entrailles de la terre, en attente de naître dans le royaume de Dieu, car il est allé vous préparer un autre corps, un corps parfait. Maintenant, pensez-y profondément. Et prions ensemble. Cher Dieu, alors que je sais que ceci est inscrit dans le livre, le grand recueil, les progrès de la science ont de quoi nous réveiller, Seigneur, à des réalités. C'est que chaque geste que nous faisons fait plusieurs fois le tour du monde au moment même où nous le faisons. Nous le voyons par la télévision. Nous comprenons, Père, que la télévision ne fabrique pas une image, mais qu'elle ne fait que canaliser les vibrations dans un tube pour faire voir l'image. Même la couleur des vêtements que nous portons se montre par les ondes dans l'air, cette vibration qui parcourt le monde. Comment donc nos sœurs peuvent-elles porter ce genre de vêtements, agir comme cela et ne même pas avoir soif, les visages maquillés, les cheveux coupés, des prédicateurs qui étudient la théologie dans un séminaire et prennent des paroles d'hommes et par leur tradition rendent les commandements de Dieu sans effet sur les gens, par leur tradition en disant qu'il suffit d'être membre d'Église. C'est tout. Oh Dieu, est-ce qu'ils réalisent que chaque mot que nous prononçons, c'est prouvé scientifiquement, est enregistré dès le début de notre vie sur cette terre jusqu'à notre mort et qu'ensuite cela est gardé dans l'album de Dieu pour être repassé au jugement? Comment allons-nous échapper à la condamnation de Dieu alors que ça nous a été montré si clairement et nous l'avons rejeté? Oh, cher Dieu, ces paroles ne meurent jamais. Elles continuent. L'enregistrement repassera au jour du jugement. Tu as vu ces mains levées, Père. Ce sera montré au jour du jugement. Et aussi ce que leur cœur pensait sera montré là au jour du jugement. Maintenant, Père Dieu, je te demande, en tant que ton serviteur, je te prie d'ôter toute iniquité de ton peuple. L'iniquité, c'est quelque chose que nous savons que nous devrions faire et nous ne faisons pas.
David a dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Je te prie, ô Dieu, d'ôter notre iniquité, car la parole est ton miroir qui révèle à quel point nous sommes loin d'être des fils et des filles du roi. Père, je te prie de le faire ce soir. Et établis un autel là où les gens sont assis. Établis un autel dans leur cœur. Que leur cœur soit un autel. Que le monde s'éloigne de chaque frère, de chaque sœur qui est ici. Et que ce petit germe de vie, ce gène de Dieu dont nous venons de parler, que cet attribut qui est descendu de Dieu et qui a été manifesté ici pour honorer et glorifier Dieu. Oh Dieu, éloigne le monde d'eux. Pour les autres, je ne peux pas prier, Seigneur, car leur maladie est à la mort, et il n'y a rien en eux qui puisse les faire bouger. Mais pour ceux qui peuvent bouger et qui savent que c'est mal, purifie leur cœur et leur âme ce soir, Père, et qu'ils soient remplis de ton esprit, marchant dans ta lumière. Bénis ce jeune et bien-aimé pasteur à l'allure forte ici, Seigneur, ce jeune homme qui a été influencé d'après ce qu'il a dit, parce qu'il t'a vu faire. Ce jeune homme bien, oh Dieu, enflamme son âme, accorde-le Seigneur, qu'il soit continuellement un véritable berger tout le temps pour nourrir le troupeau dont le Saint-Esprit l'a établi surveillant. Accorde-le Seigneur, qu'il ne se détourne ni à droite ni à gauche, qu'il n'y ait point de place pour un credo ou rien d'autre, mais que ce soit la parole de Dieu non frelatée qui sorte de sa bouche. Bénis-le bien-aimé. Dieu, lui et sa famille et son assemblée, sois avec eux tous. Je te confie ceci, Père, la semence a été semée, qu'elle tombe sur la semence qui a été destinée à la vie et qu'elle fasse grandir des chrétiens forts et solides dans cette assemblée ici et dans d'autres assemblées d'où ils viennent, accorde-les, Seigneur. Je te les remets au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Père, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai vu passer par la porte il y a quelques instants une pauvre femme toute nerveuse, soucieuse. Et ô Dieu, quelles choses glorieuses ont été accomplies dans sa famille. Combien tu t'es manifesté. Je te prie, ô Dieu, pour cette femme. Enlève le passé de sa vie, Seigneur, et guéris-la ce soir. Le veux-tu, Seigneur? Accepte-la en toi. Je vois des petits-enfants assis ici, Seigneur, qui ont besoin de guérison, et d'autres. Je te prie de les guérir, Père. Accorde-le. Que ta glorieuse puissance de guérison vienne guérir nos âmes et nos corps. Et maintenant, pour vous qui êtes dans l'Église ici ou à l'extérieur, et qui avait besoin de guérison, je vous demanderai de lever la main et de dire, j'ai besoin de guérison, frère Branham. On dirait que tout le monde en a besoin. Très bien. Croyez-vous que je suis un serviteur de Christ? Dites Amen. Alors je voudrais que vous posiez les mains les uns sur les autres. Imposez-vous simplement les mains. Vous avez levé la main, vous avez levé la main pour montrer que vous croyez en Dieu. Jésus-Christ a dit, dans sa dernière commission à l'Église, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne fera pas de mal. Mais s'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. » Jésus l'a dit. Souvenez-vous, c'est lui qui l'a dit. Cela doit arriver. Il ne l'aurait pas dit s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait recevoir cette parole. Juste comme le sein de Marie a pu recevoir le germe, une vierge concevra. Comme un palmier pouvait être créé et un chêne sur une colline. C'est sa parole qui l'a fait. Sa parole peut s'accrocher à votre cœur maintenant même. Je suis un croyant, Seigneur. Cet homme ou cette femme sur qui je pose les mains est une personne souffrante. Je ne prie pas pour moi-même parce qu'il prie pour moi. Je prie pour elle ou pour lui. Et ô Dieu, guéris-le, guéris-la. Et je suis un croyant. Et nous voici rassemblés. Nous venons d'entendre que nous étions avec Christ quand il marchait sur la terre. Nous faisons partie de sa parole. Nous avons souffert avec lui. Nous avons saigné avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui et assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, le grand roi qui est assis au milieu de nous. Et je suis un fils ou une fille de ce roi. Et j'ai ma main posée sur un fils ou une fille du roi.
qui prie pour moi alors que je prie pour lui. Maintenant, Seigneur, exauce ma prière en guérissant ce fils de Dieu ou cette fille de Dieu. Prions maintenant ensemble les uns pour les autres. Seigneur Jésus, nous venons humblement confessant nos torts. Nous venons en confessant que nous méritons la maladie, la mort et la peine. Mais nous acceptons ton expiation pour nos péchés et notre maladie. Et ce soir, ces fils et ces filles de Dieu qui sont ici, qui ont entendu la correction de la parole et qui ont levé la main pour indiquer qu'ils veulent une marche plus proche de toi, ils posent les mains les uns sur les autres parce qu'ils croient que ta parole est vraie. Ils croient que nous sommes maintenant ressuscités avec Christ, assis dans les lieux célestes. Ils posent les mains et prient les uns pour les autres. Tu as dit que la prière de la foi sauvera le malade et que Dieu le relèvera et que s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns pour les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière agit, la prière du juste a une grande efficacité. Ô Dieu éternel, entends la prière de ton serviteur. Et maintenant il est écrit aussi, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'assemble et prie, alors je l'entendrai des cieux. Ô Dieu, entends la prière de tes enfants. Envoie le Saint-Esprit sur cet auditoire comme un puissant vent impétueux, et nous amenons ces gens devant Dieu. Satan, tu es vaincu. Tu es un être vaincu. Jésus-Christ t'a conquis au calvaire. Tu n'as aucun pouvoir. Tu es un bluffeur. Nous te repoussons ce soir, au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens ici, et vos maladies et affections, et qu'ils soient libres, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Vous ressentez la gloire de Dieu. Vous croyez que votre prière est exaucée. Croyez-vous que Dieu a exaucé la personne à côté de vous? Combien croient cela? Levez la main. Voilà. Oh, merveilleux. Je l'aime. Chantez-le avec les mains levées. Le pensez-vous de tout votre cœur? Combien sentent que Dieu a pardonné leur iniquité et les choses que vous avez faites? Et dès ce soir, ô agneau de Dieu, je promets de marcher correctement. Je marcherai en honorant le nom dont on m'appelle un chrétien, quelqu'un de semblable à Christ. Je lève les mains, ô Dieu. Je me consacre à nouveau à toi ce soir. Je marcherai dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Merveilleuse lumière. Elle vient là où les gouttes de la grâce étincellent, resplendit autour de nous, de jour et de nuit. Jésus, la lumière du monde. C'est une telle merveilleuse lumière. Il est allé nous préparer une place. Resplendit autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Venez, vous, tous les saints de la lumière, proclamez Jésus, la lumière du monde. Vérité et miséricorde en son nom. Jésus, la lumière du monde. Que ferons-nous alors? Nous marcherons dans la lumière. Oh, don't you
Oh, est-ce que vous ne sentez pas tout nettoyé? Oh, donnons-nous la main les uns les autres. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Let's just close our eyes and hum. Fermons simplement les yeux et fredonnons-le. We act like children. We are children. Nous agissons comme des enfants. Nous sommes des enfants. And it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Don't you love him? Ne l'aimez-vous pas? My faith looks up to thee. Ma foi regarde à toi. Lamb of toi, agneau du calvaire. Fermez les yeux et chantez-le. Adorez-le en esprit. Écoute-moi pendant que je prie. Enlève tous mes péchés. Laisse-moi être tout à toi. Alors que je traverse ce sombre labyrinthe de la vie, entouré de peine et de souffrance, sois mon guide. Fais que les ténèbres se changent en jour. Essuie les larmes de tristesse. Ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Oh là là. Vous savez, je suis un peu vieux jeu. Je trouve que ça vaut mille fois mieux que toutes ces nouvelles impostures saccadées en fandango et en rock'n'roll. Ces poètes d'autrefois qui ont écrit ces cantiques, c'est le Saint-Esprit qui a tenu cette plume et qui s'est mis à écrire, je pense à Eddie Perronet, à Fanny Crosby. Ne me laisse pas, ô doux sauveur, entends mon humble cri. Un jour, ils ont essayé de la voir. Elle n'a pas fait comme les pentecôtistes Elvis Presley qui a vendu son droit d'aînesse pour des Cadillacs. Des gens étaient venus lui demander d'écrire des chants mondains. Elle a dit, je ne le ferai pour rien au monde. Il m'a dit, mais tu es aveugle. Quand tu arriveras au ciel, comment est-ce que tu... Elle s'est retournée et elle a dit, je le reconnaîtrai, je le reconnaîtrai. Et racheté auprès de lui, je me tiendrai. Je le reconnaîtrai. Comment? Aux empreintes des clous dans ses mains. Autrement dit, si je ne le vois pas, je toucherai ses mains. Alléluia. Je le reconnaîtrai. Je le reconnaîtrai. Aux empreintes des clous dans ses mains. Cela ne vous pousse-t-il pas à l'aimer? Il est allé nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous recevoir en moi. Petits enfants qui êtes dans les douleurs d'enfantement maintenant, obéissez au commandement de Dieu. Et le pasteur ici, si aucun de vous n'a été baptisé,
l'eau sera prête. Et l'inscription comme membre d'église, quoi que vous vouliez faire, si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, c'est le soir pour le recevoir. Vous dites, frère Branham, il est tard, vous avez prêché trop longtemps. Paul a prêché toute la nuit un soir. Un même genre de message. Et un jeune homme est tombé mort en tombant du mur. Et Paul, qui était tellement loin de ce même message, a posé son corps sur lui, et la vie est revenue en lui. Il est toujours Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne l'aimez-vous pas? Chantons-le encore une fois. Je l'aime, je l'aime. Le pianiste, sœur, si vous voulez, donnez-nous l'accord. Combien l'aime? Levez la main, dites, je l'aime vraiment. Je l'aime de tout mon cœur, je l'aime. Chantons-le simplement à la gloire de Dieu, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel. Je l'aime, je l'aime. Nous l'adorons. Quand on prêche, qu'on taille, qu'on arrache, tire ceci. Ceci est le baume que Dieu déverse qui guérit. Il y a un baume à Galade pour l'âme. Chantons-le encore une fois. Je l'aime car il m'aima le premier et acquis mon salut sur le bois du calvaire. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est ça. Si nous ne sommes pas capables de nous aimer les uns les autres, nous qui nous voyons, comment pourrons-nous nous aimer? Comment pourrons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas? Je l'aime, je l'aime.